Une fois de plus, grand merci à toi, Itel, d'avoir sauvé mon boulot de directeur adjoint. Honnêtement, je ne savais pas qu'il existait encore des personnes comme toi dans ce monde. Monsieur, ça fait déjà plus de 9 mois que cela s'est passé, mais vous continuez de ramener cette affaire tout le temps. Ça m'a fait plaisir de pouvoir vous apporter mon aide. Ma chère, votre degré de gentillesse me fait pleurer de joie. Et en tant que future directrice adjointe de cette banque, vous auriez pu profiter de cette occasion pour faire avancer votre carrière. Mais au lieu de cela, votre mari et vous aviez pu convaincre votre père afin qu'il vous octroie un prêt de 200 millions de naira, en usant d'un des plus gros superfuges pour compenser les pertes et me faire sortir de ces problèmes. Sans parler du fait que le client a respecté sa promesse en remboursant cette dette au bout de 6 mois. Dette qui lui a permis de développer à nouveau son business. Sans aucun doute et pour être honnête, je vous serai à jamais reconnaissant, ma chère. Je vous en prie. Je pense que la personne qui mérite toute cette gratitude, c'est mon époux. S'il n'avait pas répondu à mon appel, je suis certaine que nous n'aurions pas cette discussion. Je sais. Et que Dieu vous bénisse, vous et votre époux, pour preuve de votre gentillesse. Alors, pour tout ce qu'il a fait, j'aimerais lui témoigner ma reconnaissance. S'il vous plaît, Itel, remettez ceci à votre époux Henri. Ok. Vous pouvez lui dire de venir me voir lundi. Et peut-être que la semaine prochaine, nous pourrons discuter de manière officielle du contrat que vous tenez dans vos mains. S'il vous plaît, dites à Henri que peu importe le montant dont il a besoin, je suis prête à le mettre à sa disposition afin que, dans les prochains jours, il puisse commencer le lancement de ses activités. Wow, merci. Je vous en prie. Ça me va droit au cœur. Merci énormément. Que Dieu vous bénisse. J'apprécie. Dieu vous bénira, vous et votre époux, pour votre gentillesse. Merci. Que Dieu vous bénisse encore. Je vous remercie. Bon après-midi, monsieur. Chérie, je suis de retour. Ouais. Ouh. J'ai l'impression d'être sur des nuages. Vraiment? Oui. Oui. Tu m'as l'air tellement oui. Qu'est-ce qui se passe? Merveilleux. 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 Les choses s'annoncent merveilleusement bien. Mm-hmm. Oui. Laisse-moi te dire ce qui s'est passé. Immédiatement à mon arrivée, j'ai rencontré la dame à qui ton directeur m'a présenté. Mm-hmm. Et elle m'a demandé de voir son mari. Au moment où je me suis présenté à son mari comme étant le beau-fils d'Edaf, les deux n'ont changé. Tu es sérieux? Il m'a proposé une chaise et m'a donné un verre d'eau. Et il a appelé ton père. Ce qu'ils ont parlé, je n'en sais rien. La seule chose qu'il m'a dit, c'est « Jeune homme, rentre chez toi et prépare-toi pour commencer le travail demain, car tu viens de décrocher le contrat. » Non. Oh, oh. Non, c'est une blague. Oh que non. Je suis sérieux. Tu es sérieux? Chérie, nous sommes super riches. Juste comme ça. Sans avoir un diplôme d'expert en entrepreneuriat? Eh bien... La seule chose qu'il m'a dit, c'est que tout ce qui concerne le volet administratif avait déjà été réglé lorsque ton père a appelé le gouverneur qui est l'un de ses amis proches. Eh oui. Ah, tu ne peux pas imaginer. Je t'aime. Mais merci, chérie. Je t'aime. Félicitations. Alors attends, nous sommes riches. Super. Nous ne sommes pas juste riches. Nous allons devenir super. Riches. Oh. Quoi? Les enfants dorment. Laisse-les dormir. Laisse-les venir célébrer avec nous. Leur père est riche. Je ne sais pas comment. Tu comptes te faire pour renvoyer ces enfants au lit s'ils se réveillent. S'il te plaît, attends. Suis-moi, on va sortir. Bien,
Ce que je vais faire, c'est d'aller droit au but, car je sais que les gens comme Richard se demandent pourquoi est-ce que nous sommes tous ici. Tu l'as bien dit, mon frère. C'était censé être une petite réunion familiale. Et nous aurions levé nos verres pour célébrer les merveilles de Dieu dans nos vies. Mais j'ai décidé que ça serait un peu plus que ça. Laissez-moi vous accueillir dans notre demeure. Papa et maman, soyez les bienvenus. Richard, mon ami, un ami qui est comme un frère. Toi aussi, tu es le bienvenu. Merle, mon beau frère, que Dieu te bénisse. Ma sœur, sois la bienvenue. Bien, je voudrais remercier ma femme. Je voudrais lui dire merci d'avoir jeté son dévolu sur moi. Un homme, il est clé comme moi. Depuis le jour où on s'est rencontré à sa banque, je m'y rendais pour l'ouverture d'un compte relatif à mon business. Je voulais que vous le sachiez aujourd'hui, notre famille. Sans oublier de mentionner mes beaux-parents que je remercie de m'avoir accepté en tant que fils. Que Dieu vous bénisse, papa et maman. Le but de cette réunion est de vous annoncer que moi et ma famille, nous avançons progressivement vers le club des milliardaires. Waouh! Applaudissons pour cette bonne nouvelle! C'est magnifique! Félicitations! Eh bien, ce n'est pas la magie. Comme je le disais, tout ça, c'est la volonté divine. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné la meilleure femme au monde. La vie tout entière de ce pauvre orphelin qui a perdu ses parents en bas âge a totalement changé grâce à elle. Mesdames et messieurs, à la base, je n'ai jamais été entrepreneur. Mais aujourd'hui, je peux vous confirmer que je suis un entrepreneur d'État. En plus d'être entrepreneur, j'ai également signé un contrat. J'ai l'envie d'être modeste à mentionner le montant, mais sachez qu'il avoisine les milliards de Naira. Waouh. Alors, je vous invite ici à vous réjouir avec nous. Et aussi pour vous faire savoir que tout ceci a été possible grâce à mon beau-père. Il a passé un simple appel au gouverneur. Et cet appel a tout déclenché. J'ai été appelé pour commencer le travail. Tout a été mis en œuvre pour que je devienne entrepreneur. Les choses ont été faites en ma faveur. Au moment où je vous parle, la semaine prochaine, le premier dépôt de notre milliard sera déposé dans notre compte bancaire. Alors, mesdames et messieurs, levez vos verres et réjouissez-vous avec moi et ma famille. Et remercions le Seigneur. Hip, hip, hip. Hurrah! Hip, hip, hip. Hurrah! Merci, Melvin. Merci, papa. Félicitations, Henri. Melvin? C'est très bien. Fais-moi voir. Tu as fait une erreur là. Ce n'est pas la même chose. Tu dois ajouter un S là, tu vois. C'est très bien. Bravo. C'est au pluriel, ma puce. Il faut accorder. Super. Coucou, maman est là. Maman. Salut. Ça va, mes amours? Bonne arrivée. Ça va, mon amour? Et toi? Il est journée. Bien. Ok, d'accord. Alors, Shijindu, comment tu vas? Bien, mais où est mon punching ball? Maman, où est mon punching ball? Je l'ai acheté. Tu sais que je tiens toujours à mes promesses. Et à toi, je t'ai pris ta princesse Sophie, le premier piano. Oui, hey! Maman, merci. Merci. Bon, vous étiez en train de faire vos devoirs. Retournez travailler. Maman. Non. Vous devez d'abord finir vos devoirs. J'ai les clés. Je vais chercher vos jouets après, ok? Tata, s'il te plaît, nous voulons les voir. Non. Le 10e commandement dit quoi? Honore ton père et ta mère. Très bien, allez finir vos devoirs, d'accord? S'il te plaît, passe-moi mon sac à main. D'accord. Je monte à l'étage. Nous terminons d'abord les devoirs, ok? Ok, écris ici. Tata Joe. Allô, bébé? Princesse me dérange. Oui, je suis à la maison. Je suis le point de rentrer. Non, mon amour. Il me reste encore quelques comptes à faire. Ok, pas de problème. N'oublie pas ta promesse de la semaine dernière. Tu as dit qu'on n'arrivera plus jamais en retard à l'association. Il ne reste plus que 40 minutes. Chérie, attends-moi. Je ne serai pas long. Je t'aime. D'accord, je t'aime. Bye, tout à l'heure. Je t'attends, hein?
Bye. And wait for answers. God is not sleeping. He is awake. He sees your pain. Ah. Richard, qu'est-ce qui est si important pour que tu m'appelles ce soir? Je suis censé être avec ma femme. Oh, je suis désolé. S'il te plaît, assieds-toi. Je suis désolé, s'il te plaît. Excuse-moi, ok? C'est à propos d'une affaire que je veux monter. Et pour m'aider, il me demande d'amener quelqu'un qui sera mon garant avant qu'il lance le business avec moi. C'est un gros business, s'il te plaît. C'est vraiment un gros business. Tu es mon seul espoir. Tu es la seule personne qui peut me rendre ce service, s'il te plaît. Alors, dis-moi, avec qui veux-tu lancer ce business? Où le lancez-vous et de quel business s'agit-il? C'est... En fait, c'est... Il s'agit de mon ami d'enfance. Et pour le moment, il vit en Espagne. Il est dans une activité d'import-export. Son domaine, c'est le matériel de construction. C'est un très gros business. Il veut juste quelqu'un. Bref, Henri, tu sais bien que mes affaires ne prospèrent pas. Je te supplie, Henri, c'est vraiment très urgent. Je t'en supplie. J'ai vraiment besoin de ça. Oh, Richard, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ce genre de choses. Je suis censé être avec ma femme en ce moment. Nous allons à notre association. Dico, s'il te plaît, ne me lâche pas. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Henri, lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi. Tu es mon dernier espoir. Ce gars rentre d'Espagne demain matin. Lève-toi. Tu dois m'aider, s'il te plaît, Bikonu. Il rentre demain. S'il te plaît, aide-moi, je t'en supplie. Es-tu sûr de toi que ce mec dit la vérité? C'est pas un problème, c'est mon ami d'enfance. Je le connais très bien. Je t'en supplie. Laisse-moi appeler ma femme, je sais pas. Je dois lui demander la permission. On verra. Ok. Allô, chérie. Oui, quelque chose est arrivé. Richard a sa réunion d'affaires. Et il veut que je l'accompagne. Parce que le monsieur a besoin de plus de garanties. Et il veut que je sois son garant. S'il te plaît. Je suis désolé, mon amour, s'il te plaît. Reste à la maison avec les enfants. Oui, l'association, je sais. Je dois y aller. S'il te plaît. Ok, mon amour. T'es la meilleure, ok? Je t'aime. C'est bon. Ma femme dit que je peux aller avec toi. Merci. Non, arrête. Merci beaucoup. Mon enfant. Heaven fight for you. I say heaven fight for you. It's so good. But what are you gonna do? Bien reçu, terminé. Viens, cet idiot qui a tiré sur ton père. Son frère est-il venu ici? Non, chef. Son frère n'est pas encore venu. Non, chef. Ces gens ne me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas, je vais leur montrer. C'est très clair, chef. Ils pensent que c'est une blague. je vais leur montrer. Officier, inspecteur! Inspecteur! Non! Officier! Oh. Vous, arrêtez, officier. Plus un geste! Je vous en prie! Qui êtes-vous? Qui est cette fille? Et que lui est-il arrivé? Officier, nous sommes là pour dénoncer un crime. Quel crime? J'étais dans la cour du campus avec mon ami. Nous étions en train de discuter quand nous avons entendu une voix criant au secours. Oui, officier. Nous évitions à lui venir en aide. On avait peur. Oui. Et quand elle lança le dernier cri et que nous n'entendions plus rien, on a suspecté que quelque chose a dû lui arriver. Alors, nous nous sommes rapprochés de l'endroit où nous avons entendu des cris. Et là, on a trouvé un homme qui était en train d'étrangler. Un homme en train de faire quoi? De l'étrangler, chef. Quand il nous a vus, il a fui en laissant sa voiture. Oui. Vous êtes en train de blaguer ou quoi? C'est une blague? Non. Dépose cette fille. Dépose-la ici. D'accord. Reculez. Reculez, vite. Vite. D'accord. Percez, non, attends, chef, s'il te plaît. Percez vos yeux maintenant. Nous l'avons, idiot. Juste des chefs. Criminel, tu es un criminel. Non, on est... Ferme-la, idiot. Criminel. À genoux, les mains en l'air, tous les deux. Sergio Zita. Chef. Venez prendre son pouls. Oui, chef. Vérifiez-le.
criminel. Vous deux, je vais vous tuer tous les deux aujourd'hui. Quoi? Chef, elle est morte. Mais ça n'a rien fait. Mon Dieu. On ne sait rien. Qui est cette fille et où l'avez-vous trouvée? Écoutez, officier, je vous le jure, on ne la connaît pas. Sergent Bright. Ce que nous avons dit là n'est rien d'autre que la vérité. Donc vous avez tué cette fille et vous l'avez amenée au poste de police. Hein? Je vais vous montrer aujourd'hui. Comment vous appelez-vous? Moi, on m'appelle... Tu vas te taire? Oga, quel est ton nom? Pourquoi portes-tu le nom de colon? Quel est ton nom? Mon nom, c'est Mike. Idiot fois, monsieur. Étudiant à l'université d'État, monsieur. Et toi? Moi, c'est Arnold. Arnold Amadi, je suis également étudiant en chef. Amadi, ne t'inquiète pas, je vais Amadi ta tête aujourd'hui. Vous, je vais vous amadi. Donne-moi cette arme. Oui, chef. Menottez-les. Oui, chef. Menottez-les tous les deux, criminels. Non. Je vous ai attrapé aujourd'hui. Menottez-les. Et fermez l'armée. Allez, montrez les mains. Écoutez, monsieur, on n'a rien fait. Veux-tu fermer ta bouche? Donc, c'est ce que vous faites, tuer les gens. Vous tuez les gens. Non, non, on n'a rien fait. Donc, allez, vous faites dans les crimes rituels, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Vous travaillez tous les deux pour des ritualistes. Hein? Escortez-les. Vous, Sergent Bright, soyez prêt à régler cette affaire. D'accord, chef. Et, Sergent Ozita, surveillez le poste. Oui, chef. Veillez sur tout et soyez très vigilant. D'accord, chef. Criminel! Je vais vous tuer tous les deux aujourd'hui. Seigneur Jésus, les criminels. Franchement, mec, j'ai eu le temps de t'observer. Tu fais un peu beaucoup trop de dépenses, mec. Oscar, pourquoi tu donnais beaucoup d'argent à cette fille juste une nuit? Toi, tu vas finir par me tuer. Mec, qu'est-ce que tu racontes? C'est mon argent, mec. C'est vrai, mec, c'est ton argent. Mais dépenser comme ça pour une seule nuit, c'est énorme, mec. Tu n'aurais pas dû lui donner autant d'argent. T'es sérieux, là? Ah oui, entrez. Henri? Écha, chanceux que tu es ici. Je t'ai cherché chez toi, mais tu n'y étais pas. Et même ton téléphone est éteint. Je t'ai appelé. Ah! Mon téléphone est éteint? Bien sûr. Henri, mon téléphone est allumé. Tu peux vérifier. Peut-être que c'est le réseau. S'il te plaît, attends. Trêve de bavardage. Oscar et toi, Dieu merci, vous êtes là. Et j'ai besoin que vous m'aidiez. J'ai un sérieux problème actuellement. S'il vous plaît, allons-y. S'il vous plaît, allons-y. S'il vous plaît. Dis-moi dans quel pétrin tu t'es encore embarqué. J'espère que ce n'est rien de grave. Je ne sais même plus où j'étais depuis que je vous ai laissé. Honnêtement, je ne suis même pas arrivé chez moi. Viens, juste viens. Allons-y, viens. Écoute ce qui s'est passé. Aussitôt que je suis sorti d'ici, ma voiture... Oui, ma voiture est tombée en panne. Je vous expliquerai tout ça quand nous serons dans la voiture. Attends. Et tu dis que ta voiture a eu une panne? Oui. Est-ce que c'est arrivé après que tu aies déposé cette fille? Non, c'était avant. Je veux dire après. Hey, laisse-moi te poser une question. Cette fille, où l'as-tu rencontrée? Comment s'appelle-t-elle? Henri, pourquoi cette question? Bref, c'est juste une prostituée que j'ai ramassée au bord de la route. Hey, je lui ai fait une offre, je l'ai bien payée, et elle est partie. Pourquoi cette question? J'espère que ce n'est pas ce que je pense. Ah non, c'est bon. C'est juste par curiosité, s'il vous plaît. En attendant, allons-y, s'il vous plaît, allons-y. Henri, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Allons, viens. Je ne comprends pas, Henri. Viens. Minuit 10. Ah, il se fait tard. Il n'est pas encore rentré. Que se passe-t-il? Il n'est toujours pas rentré. Et avant d'aller m'endormir, je l'ai appelé plusieurs fois, mais il ne décroche pas.
Richard, s'il te plaît, ne perdons pas de temps. C'est sérieux. C'est exactement ce qui s'est passé. Juste comme ça. Juste comme ça? Comme ça? Juste oui. Comme ça? Autrement dit, la fille est partie sans rien me dire. Ils ont commencé à me poursuivre. Ah. Attends. Henri, oui, Oscar. Tu veux dire que quand toutes ces choses se sont passées, au lieu d'aller chez Richard, ou de venir dans ma chambre d'hôtel, ou même aller à la police, je veux dire, ne me dis pas que tu es... Non, ne dis pas ça. Je ne voulais pas arriver jusqu'ici. Je ne voulais pas juste que ma femme soit au courant. Combien de fois devrais-je vous expliquer cette histoire? Attends, quoi encore? Qu'est-ce que tu racontes? Donc, durant tout ce temps, tu veux dire que tu n'as pas pu réfléchir? Tu n'as même pas pu passer un appel téléphonique à ta femme pour lui dire ce qui ne va pas? C'est ce que j'essaye de te dire. Je ne voulais pas qu'elle apprenne. Essaye de me comprendre. Putain, je la merde. Que c'est elle qui m'appelle. Décroche. Que vais-je lui dire maintenant? Les gars, s'il vous plaît, pas de bruit. Vas-y. Allô, chérie? Non, la réunion a pris un peu plus de temps, mais je suis sur le point de rentrer maintenant. Oui, je serai bientôt à la maison. Je ne vais pas mettre long. Je t'expliquerai une fois à la maison, s'il te plaît, ok? Mes enfants dorment déjà? D'accord, mon amour. Je te vois tout à l'heure. Bye. Hein? Tu viens juste de mentir à ta femme? Richard, je vous ai dit que je ne veux pas qu'elle sache. Tu ne veux pas qu'elle ne sache faire quoi? Que des gens t'ont confondu à un ritualiste tueur? Et tu gardes le silence? Henri, attends. Je suis inquiet. Tu me mets mal à l'aise. Je suis très inquiet. Richard, pas la peine de suspecter quoi que ce soit. Faites-moi confiance. Vous m'accompagnez, oui ou non? Tu nous caches quelque chose, n'est-ce pas? Richard, non. Pour quelle raison? Pourquoi devrais-je le faire? Pourquoi? Je venais pour une réunion. Henri. Oui, Oscar. Henri, quel genre de pain de voiture a-t-elle eu? Au point où t'as pas pu appeler ton mécanicien? Au pire encore, informer ta femme? Non. Je me permets d'insister là-dessus. Que s'est-il réellement passé? Entre 19h pile et le fichu moment où tu as rencontré ces gars, que s'est-il passé? S'il te plaît, dis-moi. Écoute. Oscar, écoute, je vous ai dit qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de quoi vous inquiéter. Tout ce que je veux, c'est que vous m'accompagniez, c'est que je ne vous voyais pas escalader cette colline. Et je ne voulais pas inquiéter ma femme. Je pense que ça m'aurait pris beaucoup de temps. Vous allez m'aider ou pas? Si vous ne voulez pas le faire, dites-le et je m'en irai. Allons-y. C'est ici que cette fille était couchée. Ah, elle n'est plus là. Hein? Mais ma voiture est toujours là. Avancez, vous allez me montrer où est-ce que ça s'est passé. S'il te plaît, Henri, je suis disposé à discuter de tout ce que tu veux, mais s'il te plaît, pas ici. Mec? Hein? Laisse-moi regarder dans la voiture. Oh oui, regarde dans la voiture. On ne bouge plus. Qui est-ce? La police, si tu bouges, t'en as mort. Ah. Tu vas te taire, là. Tais-toi. Tais-toi, vite. À qui appartient cette voiture? Chef. À qui appartient cette voiture? C'est lui. C'est la vôtre, monsieur. Oui, chef. Pas de problème. Où sont ces garçons? Venez ici, tous les deux. Venez ici. Vous là, hein? Venez ici. Viens, tu les connais? Ce sont les gars qui m'ont vu quand la fille est tombée. Ils sont arrivés au moment où je voulais aider la fille. Sergent. Chef. Arrêtez-les. Oui, mais arrêtez chacun d'eux. Hey. Arrêtez-les. Et pourquoi exactement? Oh, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sauras pourquoi. Ce numéro est indisponible pour le moment. Ah! Mais il y a une minute, son téléphone sonnait. Que se passe-t-il? Il a dit qu'il serait bientôt là. Il devrait déjà être là. Je suis sûre que quelque chose ne va pas. Je n'ai plus de batterie. « 51 à Aigle 1, confirmé.
Nous sommes encore là à vous attendre. À vous. Bien reçu, terminé. Attendez. Chef. Les as-tu interrogés? Oui, mais ils ne veulent pas cracher le morceau. Ah ah, c'est bien pour eux. Des criminels. Chef, ces gars sont très dangereux. Criminels. Chef. Mon Dieu. Chef, elle s'est réveillée. Sergent docteur, Bright. Comment va-t-elle? Ah, nous l'avons stabilisée. Oh, en fait, d'accord. Pour le moment, elle est très faible. Oh, merci, Seigneur. Docteur Agou, qu'avez-vous pu découvrir? Je veux dire, vous soupçonnez qu'elle... Oui, effectivement, vos doutes sont bien fondés. On a découvert qu'elle a été brutalement violée et violeur l'a étouffée. Mais c'est Dieu qui l'a sauvée. La vérité, c'est que c'est un miracle qu'elle ait survécu après avoir été violée de la sorte. Oh non, c'est pas possible. Je jure au nom de Dieu que cette bête ira en prison. Savez-vous de qui il s'agit? Bien sûr que nous avons ce salaud. Docteur, pour nous aider à faire avancer notre enquête d'un pouce, si la fille pouvait nous en dire un peu plus. Je crois qu'elle serait en mesure de parler maintenant. Pourrais-je la voir pour quelques secondes pour lui poser quelques questions urgentes et très importantes, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, vous pouvez, mais vous devez être très précis. Okay. Car pour le moment, elle est encore sous le choc. Et je vous conseillerais d'appeler ses parents avant de lui poser n'importe quelle question. Ok, je ferai ce que je peux faire. D'accord. Prenez le couloir jusqu'au fond. Ok. Deuxième porte, à gauche. Merci. Je peux avoir le dossier de la patiente, s'il te plaît? Officier, pourquoi? Désolé. Je voulais juste lui vendre un sachet d'eau. Pourquoi m'a-t-il fait ça? Ma puce, je suis vraiment désolé pour ça. Mais ce que j'aimerais que tu fasses pour moi maintenant, c'est... J'aimerais que tu répondes à quelques questions, s'il te plaît. Comment tu t'appelles? Ogoshi. Ok, connais-tu le numéro de ton père? Je ne connais pas mon père. Ok. Et ta mère? Ma mère est morte. Je vis avec ma tante. C'est pour elle que je vends des sachets d'eau. Ok, as-tu un numéro? 080. Dites-moi, inspecteur. Chef. Je vous ai demandé lorsque vous m'avez appelé l'autopsie de la scène de crime et d'enquêter sur les dires du suspect. Apparemment, il dit qu'il était en train de réparer sa voiture et faire un portrait robot. Et est-ce que vous l'avez fait? Je veux dire, est-ce que vous avez inspecté son véhicule et exactement à l'endroit où il dit avoir eu un choc? Est-ce que vous avez revérifié, comme la procédure nous demande de le faire? J'ai fait tout ça, chef. J'ai engagé deux inspecteurs qui sont spécialisés dans le trafic et les meurtres. À vrai dire, nous venons juste d'arriver au même moment que vous, chef. Je vois. Et qu'est-ce que vous avez trouvé finalement? Est-ce qu'il mentait ou alors? Chef, cet appel est important. C'est le sergent Bright. Il m'appelle de l'hôpital. Prenez-le. Sergent, rapport. Ah ah. Quoi? Que dites-vous? Elle aurait été violée. Oh Dieu merci, elle va mieux maintenant? Sinon, quoi d'autre? Qu'a-t-elle dit? Ok, attends, un instant, attends. Permets-moi de prendre de quoi noter. Un instant. Ok, vas-y. Donne-moi le numéro de téléphone, non? Ok. 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 D'accord. Reprends. Vas-y, répète.
Ok, je l'ai. Je l'ai. Oui. T'as-t-elle donné le nom de sa tante? Eunice. Et où vit-elle? Ok. Ne bouge pas. Reste là. Surveille la fille et sois très vigilant. Oui, je l'appelle tout de suite. Bien reçu. Terminé. Bien. Chef, il dit que la fille a été violée. Quoi? Mais la bonne nouvelle est qu'elle va mieux maintenant. Il m'a également dit que la victime s'était forcée à donner le numéro de l'un de ses parents. Dois-je l'appeler immédiatement, chef? Oui, oui, faites-le. Inspecteur! Inspecteur! Madame! S'il vous plaît! Madame, allez, calmez-vous. En quoi pouvons-nous vous aider? Je... Allez-y. Allô? Allô? Est-ce... C'est moi que vous appelez, inspecteur. C'est vous, madame Anis? Oui, c'est moi. Mais comment avez-vous eu mon numéro? Connaissez-vous une certaine Ogochi? Hey! Oh mon Dieu! En fait, c'est à cause d'elle que je suis là. Je suis ici pour signaler sa disparition. Elle est, en fait, la fille de ma petite sœur. S'il vous plaît. Madame, calmez-vous. Osita. Chef. S'il vous plaît, conduisez cette femme dans l'une de nos salles interrogatoires. Comme ça, je l'amènerai moi-même chez la petite fille. Oui, chef. Au gaucher. Calmez-vous, calmez-vous. Madame. Oui. Allons-y. Allons-y vite. C'est ce que je constate. Elle est traumatisée. Oui, inspecteur, vous étiez sur le point de me dire. Oui, mon commissaire, les empreintes de pied retrouvées sur la scène du crime ont prouvé que M. Henry a menti. Et même certaines parties de sa voiture passées au peigne fin ont montré qu'il n'y avait plus de traces d'activité récente dans ce véhicule. Oui, est-ce qu'il a été confronté à ces faits? Non, chef. Inspecteur, eh bien, je veux que vous interrogiez cet homme sérieusement ce soir. Je veux absolument qu'il avoue ses crimes. Je veux que vous le fassiez personnellement. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'aucune erreur n'est permise, ce tout au long de cette enquête. Vous comprenez ça? Croyez-moi, chef. Je ferai tout mon possible avec mon équipe pour qu'ils nous disent la vérité. Bien, bien. Je compte sur vous. Oui, chef. D'accord. Nous devions aller à la réunion tout à l'heure. Je l'ai appelé et il m'a dit... qu'il était en route. Oh, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Nous devrions aller à une réunion. Il m'a dit qu'il n'en avait plus pour longtemps. Peu de temps après, son numéro n'était plus disponible. Il n'est toujours pas joignable. Que se passe-t-il? Tata, ça va aller. Arrête de stresser. Il va revenir. Tais-toi, mon ami. J'essaie de trouver une solution. Toi, tu me dis que ça va aller. Hey. Idioma, je suis désolée, je voulais pas te crier dessus, c'est juste que je suis troublée. Ah, s'il te plaît, mon Dieu, ne permets pas que quelque chose lui arrive. Je ne sais pas où commencer à chercher Henri, je ne sais pas où commencer à chercher Henri, oh. Hein? Tata, peut-être qu'il... Tais-toi, peut-être que quoi? Rien n'est arrivé à Henri, rien ne lui arrivera. Il va revenir ici et lorsqu'il sera là, il me dira ce qui s'est passé. Je sais que c'est ce qui va se passer. Qu'entends-tu pas, peut-être? Si tu n'as rien à dire, ferme ta bouche. Seigneur, Melvin, Idel, écoute, calme-toi s'il te plaît, calme-toi. Je ne peux pas me calmer. Allons-y, pas à pas. Je ne peux pas me calmer. Que viens-tu de me dire au téléphone? Que lui est-il arrivé? Que rien ne lui est arrivé, il n'est pas juste rentré à la maison. C'est ce que j'ai dit et qu'il est minuit passé. Et tu m'as dit qu'il t'a dit au téléphone qu'il était déjà sur le point de rentrer, qu'il sera là dans 10 minutes. Oh. Mais là, son téléphone est éteint. Oui, c'est éteint. J'ai essayé de l'appeler. Je suis même allée regarder plus loin au niveau de la route qu'il a l'habitude de prendre lorsqu'il rentre. Je n'ai pas vu sa voiture. Je n'ai pas vu sa voiture en route. Espérons qu'il n'ait pas eu un accident. Hey! As-tu essayé d'informer la police? La police, pourquoi? Au cas où on l'a kidnappé. Jamais que Dieu m'en garde. On n'a pas kidnappé Henri. Dieu ne le permettra pas.
Attends, as-tu essayé d'appeler sa petite sœur? J'ai appelé Ada pour le téléphone d'un coup éteint. Et son ami Richard? Son téléphone est aussi... Hey! Tu me poses les mêmes questions que je suis censée te poser. Essaye de m'aider, non? J'essaye, c'est éteint. Hey! Ah, Seigneur. Que se passe-t-il? Richard! Hey. Richard! S'il te plaît, où est Henri? Henri est où? S'il te plaît, calme-toi. Calme-toi. Où est Henri? Qu'est-ce qui se passe? Il est au poste de police. Au poste de police? Richie, que fait Henri dans un poste de police à cette heure de la nuit? Qu'est-ce qui s'est passé? S'il te plaît, n'essaye pas de nous mentir à ma sœur et moi. Attends. Que se passe-t-il? Que fait-il au poste de police? Mais il va bien. Il va bien. Pas de problème. Que fait-il là-bas? Oh, Dieu. Ils nous ont pris, mon ami et moi, nous étions avec Henri. Mais quelques minutes plus tard, mon ami et moi, ils nous ont relâchés. Jusqu'à ce qu'il déclare non coupable, il sera incarcéré. Seigneur! Incarcéré? Pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi détiennent-ils Henri? Qu'est-ce qu'il a fait? Merde. Je ne sais pas comment te le dire, mais je pense que tu devrais m'accompagner au poste de police. Lui-même te donnera plus de détails. Ah! Dis-moi, s'il te plaît, dis-moi. Qu'est-ce que Henri a fait? Désolé, ce sont ses instructions. Les instructions? Oh, Gauthier! Hey, oh, Gauthier! Hey, je suis désolée. Hey, pauvreté. Dieu va te punir, pauvreté. J'ai dit que Dieu va te frapper durement. Oh, God. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je suis désolée que tout ceci te soit arrivé quand tu travaillais pour moi. Regardez ce que la pauvreté m'a fait faire. Regardez l'enfant que ma petite sœur m'a confié sur son lit de mort pour que je prenne soin d'elle. Regarde ce que ma pauvreté m'a poussé à te faire. Je suis désolée. Oh Seigneur. Pourrais-je me le pardonner un jour? Hugo. Hugo. Je suis si désolée. Hugo, je suis vraiment désolée. Madame, vous pouvez rester avec elle. Je serai à la réception quand vous aurez besoin de moi. Appelez-moi. Inspecteur, attendez. Inspecteur, s'il vous plaît, je vous en supplie. Je vous en supplie du plus profond de mon cœur. S'il vous plaît, ne laissez pas cette fille souffrir en vain. S'il vous plaît, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour lui obtenir justice. Monsieur l'agent, regardez-la. Regardez-la. Elle n'a que 10 ans. Comment un être humain, peut tuer son âme de cette façon? Hey, nous sommes pauvres. Je vous en prie, monsieur l'agent, ne laissez pas le diable derrière cette affaire recommencer. S'il vous plaît, sergent, je vous en supplie. Monsieur l'agent, faites tout ce qui sera en votre pouvoir. Ogoshi, je suis désolée. Ogoshi. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée que ceci te soit arrivé quand tu vendais des sachets d'eau pure pour moi. Oh, Zita, c'est bon. Tu vois ce que t'as fait à ma chemise? Tu vois ce que t'as fait? T'achètes une chemise que ma femme a achetée pour moi. Espèce d'idiot. Bien. Et merde. Maintenant, j'aimerais avoir ton attention. Maintenant. Notre expert en criminologie ainsi que ses éléments sont allés à l'endroit où tu dis que la fille est venue vous aider lorsque vous cherchiez à réparer votre voiture. Et les empreintes de pied retrouvées sur la scène du crime prouvent que vous montez. Et votre voiture? La partie de votre voiture que vous essayiez de réparer montre qu'il n'y avait pas du tout d'activité récente dans ce véhicule.
et tes amis nous ont confirmé que le corps était à côté. Alors que tu nous as dit que le corps était du côté opposé parce que tu essayais de remplacer la roue. Et ce qui est arrivé arriva et tu as pris la clé des champs. Désolé, mais nos gars ont confirmé que les deux roues étaient bel et bien dans le mal. Et que vos mains n'avaient rien du tout de celles de quelqu'un qui essayait de remplacer les roues d'un 4x4. Alors maintenant, dis-moi, pourquoi nous as-tu menti au sujet de tout ça? Pourquoi? Inspecteur, je ne vous ai pas menti. N'importe. J'aimerais savoir, as-tu un diplôme de mécanicien auto? Non, chef. As-tu essayé d'appeler un mécanicien auto professionnel pour qu'il vienne réparer ta voiture pendant plus de 3 heures? Là, tu fais, dis-moi. Inspecteur, vous ne me comprendrez pas. Apparemment, tu as vraiment l'air de te plaire ici. Chef, non, laisse, non. Attends un peu. Oui, j'ai l'impression que tu te crois dans ta chambre ici. Dis-moi, tu te plais ici? Non, chef, pas du tout. Maintenant, de la scène de crime jusqu'à votre maison, il n'y a pas une longue distance, n'est-ce pas? Oui, chef. Comment est-ce qu'en pleine nuit, tu n'as même pas pensé à bloquer la voiture? Rentrer chez toi et de ce fait, appeler un mécanicien auto-professionnel pour qu'il vienne réparer la voiture le lendemain. Comment? J'avais peur qu'il ne puisse vandaliser ma voiture. Tu avais peur. Tu avais peur, c'est bien ça. Tes amis m'ont dit que tu les as laissés un peu plus tôt, tu vois, aux alentours de 10, 8h30. Et si mes calculs sont bons, ça voudrait dire que l'incident a dû se produire à peu près environ 10 minutes plus tard. Je les ai laissés vers 19h. 19h? Bien. Et à 19h, les gens passent toujours par cet endroit. Les gens empruntent cette route probablement lorsqu'ils rentrent du boulot. Et ta maison est proche de cet endroit. Et il me semble que tu m'as dit que tu vis dans cet endroit depuis des années. Ou plus. Automatiquement, tu dois bien connaître les environs. Je me trompe? C'est ça, non? C'est bien ça? Oui, chef. Bien. Maintenant. Un. Deux. Donne-moi... Deux. Deux, c'est bien ça? Allez, parle. Donne-moi deux. Un, deux. Avançons. Vas-y, parle. Tu croyais être sage. Tu n'es même pas sage. Tu n'es même pas intelligent. Tu ne sais pas à qui tu parles. Tu ne veux pas parler, n'est-ce pas? Osita. Oui. Continuez. Bien reçu, chef. Merci, chef. Allez. Parle. Eh merde. Quoi? C'était quoi ça? T'as craché sur moi? Hein? Je peux t'étrangler là maintenant? Quoi? Tu oses cracher sur moi? Non! Tu veux que je te tue? Laissez-le tranquille! Non, laissez-le tranquille! Et qui vous donne le droit de... Inspecteur, c'est... Voici son épouse. Voici son beau-frère. Inspecteur, ça signifie quoi tout ça? Pourquoi est-il soumis à une torture de ce genre? Hein? Quelle loi vous donne le droit de... Vas-tu la fermer? Tais-toi! Sais-tu que tu es dans un poste de police? Tu veux que je t'arrête? Tu veux découvrir la cellule? Sais-tu ce que cet homme a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Si vous saviez ce qu'il a fait, vous feriez pire. Qu'est-ce qu'il a fait? Pire que moi. Bien. Chef. Tu ne leur as pas dit ce que cet homme a fait? Ou alors ils sont tous pareils? Non, chef. Non, ils sont tous pareils? Non, chef, je ne pouvais pas leur dire ça en les regardant dans les yeux. Non, c'est jamais. Ah. Ok, bien. Oga. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Madame, calmez-vous, non? Exactement. Calmez-vous d'abord. Monsieur l'homme, maintenant que tes gens sont donc là, dis à tout le monde, à toute la congrégation, dis-leur ce qui s'est passé. Pourquoi tu es là? Dis-leur. Vas-y, parle. Que se passe-t-il? Dis-moi. Je n'ai connu aucun crime. S'il vous plaît, je suis innocent. Je sais que tu es innocent. C'est pour ça que je t'ai épousé, parce que tu n'es pas un criminel. Madame, vous aimez cet homme? Quelqu'un qui a été arrêté pour avoir violé une jeune fille de 10 ans et qui, de surcroît, a essayé de la tuer. C'est quoi cette merde? Quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Ce n'est pas vrai. Inspecteur, il s'agit de mon mari. Vous devez à tout prix me croire. Je connais cet homme très bien. Je le connais comme moi-même. Il est incapable de commettre ce crime dont vous êtes en train de l'accuser. Croyez-moi.
Il s'agit de mon mari. Je le connais comme moi-même. Il est incapable de tuer une mouche. Il est comme un ange. Il est très pur. Je n'ai aucune idée de ce qu'il vous a dit sous l'effet de la menace, de la peur. Mais croyez-moi, son corps est très propre. Écoutez, il n'y a aucune raison pour que mon mari me mente. Il ne m'a jamais menti. Mon mari ne peut pas me mentir. Madame, je peux voir que vous avez une confiance aveugle en votre mari. C'est indéniable. En effet, c'est vraiment, vraiment indéniable. Mais laissez-moi vous poser une question. Est-ce que votre mari vous dit toujours où il va, tout le temps, tout le temps? Bien sûr, il n'est jamais sorti de la maison sans me dire où il va, c'est impossible. Où vous a-t-il dit qu'il était hier, après sa réunion d'affaires au bureau? Il m'a dit qu'il allait retrouver Richard et un ami d'enfance de Richard qui venait tout juste d'arriver d'Europe et qu'il devait avoir une réunion d'affaires. En fait, nous étions censés aller à une association ensemble, mais il a annulé parce qu'il disait que la réunion avec Richard était très importante. Il ne voulait pas le décevoir. C'est la nature de mon mari. Il fait passer les autres avant lui. Il ne ferait pas du mal à une mouche. Vous a-t-il dit à quelle heure la réunion a commencé et quand elle s'est terminée? Oui, il m'a appelé quand la réunion a commencé. Mais c'est moi qui l'ai rappelé pour savoir s'il avait terminé. C'était quand? Il m'a appelé vers 19h30. Et qu'a-t-il dit? Il m'a dit que la réunion mettait un peu plus de temps que prévu parce qu'ils avaient beaucoup de points à mettre au clair. Ça veut dire qu'il était toujours à la réunion à ce moment-là? Oui, oui. En effet, j'essaie de l'appeler plusieurs fois avant de m'endormir. Mais il n'a pas pu décrocher le téléphone. Et j'ai juste pensé qu'il ne pouvait pas décrocher le téléphone à cet instant. Il était en pleine réunion. Alors, à quel moment avez-vous passé les autres appels? Autour de... entre 20 et 20 à 30, un truc comme ça. Vous êtes sûr? Oui, j'en suis sûr. Madame, merci beaucoup. Merci, merci infiniment. Voyez-vous, ces informations sont très, très capitales pour le bon déroulement de l'enquête. Je sais, je sais. Vous devez venir avec moi. Ok. Venez avec moi. Monsieur Henry, avez-vous déjà eu à mentir à votre femme depuis que vous l'avez épousée? Je ne vous ai pas menti, chef. Je n'ai pas dit que vous étiez un menteur, si? Votre femme dit qu'elle vous a appelé aux alentours de 19h hier dans la soirée. Dans ce cas, où étiez-vous? Vous ne voulez pas parler? Elle a également dit qu'elle vous a rappelé entre 20h et 21h, mais vous n'avez pas pris ses appels à répétition. Pourquoi? Réponds. Monsieur Richard, dites à la femme d'Henri ici présente à quelle heure la réunion s'est terminée et à quel moment il vous a laissé ton ami et toi pour le chez lui. Inspecteur, la réunion s'est terminée et il nous a laissé vers 18h30. Chef, il se pourrait que Richard mente. Ah! Chérie. Pourquoi mentirais-je? D'après le docteur, la petite fille en question a été brutalement violée aux alentours de 19h30 et 20h30. Et c'est exactement à cette heure que tu as décidé de mentir à ta femme sur où tu étais et sur ce que tu faisais. Cela dit, c'est aussi l'heure à laquelle tu as refusé de prendre ces appels. Et c'est exactement à cette heure que tu as menti à la police que tu étais en train de réparer ta voiture dans l'obscurité. Maintenant, Monsieur Henry, dois-je croire que vous avez menti à votre propre femme parce que vous étiez en train de violer une petite fille de 10 ans? Je ne l'ai pas violée. Tais-toi. Ferme-la. Ou alors se pourrait-il que la voiture que vous prétendiez réparer serait cette innocente petite fille que vous avez violée et que vous avez même essayé de tuer? Inspecteur, je n'ai violé personne et je n'ai essayé de tuer personne. Alors, dites-moi pourquoi vous avez menti à votre femme sur l'endroit où vous vous trouviez entre 18h et 21h45. Pourquoi?
Chérie, s'il te plaît, écoute-moi. Je sais que je t'ai menti au téléphone. Et ça me fait vraiment de la peine. Et j'ai vraiment honte de moi en ce moment. Je t'en prie, chérie. Je n'ai pas fait tout ce dont on m'accuse. Je n'ai pas violé cette fille. Je remercie Dieu qu'elle soit à l'hôpital entre des bonnes mains en ce moment. Et je suis sûr que très bientôt, elle aura la force de venir ici, de regarder mon visage et de dire que je suis l'homme qui l'a violée. Et j'espère alors que ce cauchemar prendra fin. Chérie, s'il te plaît, je veux que tu rentres à la maison pour nos enfants. S'il te plaît, quand ils grandiront, dis-leur combien je les aime. Et je t'aime aussi. S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'en prie. Inspecteur, cet homme a vraiment la chance d'avoir une femme qui lui fait autant confiance. Comment cette femme peut-elle faire autant confiance à son mari au point de menacer de nous porter plainte si jamais on le touchait encore? Au grand regard de tout ce qu'elle a dit, cette femme est vraiment amoureuse de son mari. Viol d'enfant et tentative de meurtre. Mais elle continue toujours de jouer la bonne femme parfaite. Écoute, c'est que... j'ai bien peur que ce comportement ne dure pas très longtemps. Pour aller plus loin, elle a ramené son espèce de frère qui se joue le connaisseur pour venir lui dire de ne plus discuter avec nous jusqu'à ce que cet homme sorte d'ici. Inspecteur, maintenant qu'ils sont partis... Pourquoi ne pas retourner chez cet idiot d'Henri? Osita, écoute-moi. À partir de maintenant, nous devons être très très prudents. Très très prudents. Pas de gestes déplacés. Ils savent déjà que nous avons fauté. Et notre faute, c'est d'avoir bafoué ses droits et ça pourrait nous porter préjudice. Tu vois, les choses ne sont pas aussi simples. Car au regard des choses, ils sont riches. Et c'est pour cette raison, en fait, que vous voulez montrer le bon exemple au public. Bonjour, chers officiers. Bonjour. Que pouvons-nous faire pour vous? Je suis Maître Asukwo, avocat commis d'office d'Henri Diquet. Puis-je voir mon client? Henri, est-ce que tu m'aimes? Chérie, comment peux-tu me poser cette question? Après toutes ces années qu'on a passées ensemble. Réponds juste à ma question. Bébé, je t'aime énormément. Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire. Cette femme que tu dis aimer est dévastée. Elle n'arrive même plus à dormir dans la nuit, à cause de toi. Je ne suis pas allée à la banque, je ne suis pas allée au boulot aujourd'hui. J'ai évité d'y aller, juste pour être ici avec toi. Se regardant face à face, nez à nez. Henri, si tu m'aimes vraiment, regarde-moi dans les yeux. Et réponds à cette question. As-tu violé cette fille? Chérie, non. Non, je n'ai violé personne. Je suis innocent, je n'ai pas violé cette fille. Pourquoi m'as-tu menti au téléphone au sujet de là où tu étais et de ce que tu étais en train de faire? Où étais-tu au moment où cela est arrivé? Qu'étais-tu en train de faire? Écoute. J'ai fouillé la voiture moi-même
Et je suis d'accord avec la police que tu as menti parce qu'il n'y a pas eu de panne que tu as prétendu avoir réparée dans la voiture. Henri, s'il te plaît, parle-moi. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis ta femme. Je veux juste comprendre. S'il te plaît. Chérie, j'ai si honte de moi. J'ai si honte que je n'ai qu'une seule envie. Que la terre s'ouvre et m'avale. C'est ce que je mérite maintenant. Tu veux dire que tu l'as fait? Non, je ne l'ai pas fait. Je n'ai violé personne. Je ne l'ai pas fait, chérie, crois-moi. Je ne l'ai pas fait. Alors, as-tu... N'aie pas peur, Gauthier, c'est bon. Viens. C'est bon. Viens, suis-nous. Hein? Je t'assure que tout ira bien. Je suis là pour te protéger. Personne ne te fera du mal. Hein? Regarde. Voici l'homme que nous avons arrêté pour t'avoir agressé. Mais parce que tu étais inconsciente, nous ne pouvions pas te demander si c'était la bonne personne. Maintenant, je voudrais que tu le regardes très bien. Regarde-le. Très, très bien. Est-ce l'homme qui t'a violé? Tonton, pourquoi? Je suis désolée, je... C'est... Je ne comprends pas. C'est lui. Êtes-vous sa femme? Oui, je suis sa femme. C'est un animal. J'ai pleuré, Tata. Je l'ai supplié. Oh, Dieu. Mais il n'arrêtait pas. Il continue à le faire. Il a menacé de me tuer si je criais. Tonton, pourquoi? Est-ce parce que je suis orpheline? Hé, tonton. Tonton, mon Dieu te punira. Ogoshi! Ogoshi! Ogo! Pourquoi es-tu un si piètre menteur? Pourquoi m'as-tu menti? Tu as menti et tu as même menti à ta propre femme. Pourquoi? Inspecteur, je vous dis la vérité, je n'ai rien fait à cette fille. Je ne l'ai rien fait. Cette fille ment comme elle respire. Je suis innocent. Et j'imagine que tu dois être le saint du milieu du paradis, n'est-ce pas? Inspecteur, en toute honnêteté, je suis aussi innocent que le Christ lui-même. Et s'il te plaît, tu dois... N'ose même pas vous toucher! Si tu prononces mon nom à nouveau, je te tuerai moi-même. Espèce de démon. Merci. Merci de nous avoir trahis, les enfants et moi. Merci. Inspecteur. Si vous n'obtenez pas justice pour cette petite fille, si vous laissez cet imbécile de prison pour le crime qu'il a commis, votre famille sera en danger à jamais. Ah! Oh mon Dieu! Non! Vous êtes officiellement dans la merde! Je sais que vous êtes surprise du fait que je prenne l'initiative de débarquer chez vous, à l'improviste et sans toutefois vous prévenir. Considérez-moi comme un ami, ou comme un émissaire de conscience, vous n'aurez pas tort. En tant qu'officier, ce que je vais dire n'est vraiment pas juste, mais en tant qu'être humain qui a vu votre nièce dans notre poste et qui est resté la majorité de la nuit à ses côtés, à la regarder se battre contre cette douleur émotionnelle et physique, je me sens obligé de m'impliquer dans cette affaire. Je suis venu vous faire une proposition. Et si vous pouvez faire exactement ce que je dis, ça mettrait une grande joie sur votre visage et celui d'Ogoshi. Sergent, vous me parlez un peu trop bon parabole. Je sais. Mais laisse-moi chuter. Ogoshi m'a dit qu'elle n'a pas été scolarisée, est-ce vrai? C'est vrai. Pourquoi?
Sergent, s'il vous plaît, je sais où vous voulez en venir. N'en parlez pas, s'il vous plaît. Vous voyez, ne pas l'envoyer à l'école. Ne fais pas de moi une méchante femme. J'aurais aimé l'envoyer dans l'une des meilleures écoles du monde entier, mais je ne peux pas le faire. Ce n'est pas seulement parce que sa mère, ma petite sœur, me l'a confié sur son lit de mort, en me suppliant de prendre soin d'elle. Elle est aussi comme ma propre fille. Étant moi-même sans enfant, vous pouvez imaginer ce que j'ai pu ressentir. Maintenant, sergent, pensez-vous que je suis fière d'envoyer une telle enfant dans la rue pour vendre de l'eau pure pour moi au lieu de l'envoyer à l'école? La vérité est que je n'ai pas les moyens de le faire. Sergent, regardez ma maison. Regardez les environs dans lesquels je vis. Oh mon Dieu, punis la pauvreté. Pauvreté, je dis que Dieu te punisse. Que Dieu te punisse pour avoir fait ça à ma nièce Oguchi. C'est bon, madame. Où se trouve votre mari? Il m'a quitté il y a de cela 13 ans parce que je n'arrivais pas à lui donner un enfant. Je suis désolé pour cela. Je sais que vous êtes en colère pour ce qui est arrivé à votre nièce. Mm-hmm. En effet, si l'opportunité vous était donnée, vous auriez poignardé cet homme qu'il meure instantanément. Hein, sergent? Si j'avais l'occasion, hein, je n'allais pas juste le tromper dans de l'eau chaude. J'allais également le découper en petits morceaux, sergent. Calmez-vous. Madame, je vous comprends, calmez-vous. Calmez-vous. En effet, toute femme à votre place serait animée de vengeance. Je vous le jure, si ça avait été ma fille ou une connaissance, je l'aurais également tuée à cause d'elle après ce que j'ai vu la nuit dernière. Mais après longue réflexion, j'ai fini par réaliser que la vengeance et la justice ont leur place dans cette affaire. Mais nous pouvons résoudre ce problème de la meilleure manière afin que cette innocente fille n'ait pas souffert en vain. Ça lui ouvrira les portes à un avenir prometteur, rempli de joie et de promesses. Et pour vous-même. Je ne comprends pas. Ok. Prenez ça dans ce sens. J'engagerai des négociations avec l'homme qui a violé votre nièce. Et je lui demanderai de vous payer une grosse somme d'argent. Et l'affaire sera classée aussi simplement. Vous devrez me passer sur le corps. Vous passez sur le corps? Dites-moi, êtes-vous sûr que cette fille ne sera pas à nouveau violée si vous insistez à poursuivre cette affaire? Le monsieur ira en prison. Vous n'aurez rien en retour en termes de compensation. Et à cause de la pauvreté, vous la renverrez dans la rue pour vendre de l'eau pure pour vous. Si cela se reproduit, pourriez-vous vous pardonner, Madame Ennis? Sergent, j'ai entendu dire que le monsieur est un homme riche et que sa femme vient d'une famille riche. Combien vous ont-ils payé, sergent Bridge? Combien vous ont-ils payé pour que vous veniez plaider en leur faveur pour nous convaincre? Quoi? Je vous jure que je n'avais jamais posé mes yeux sur cet homme, ni sur aucun membre de sa famille avant cette nuit. Ce n'est pas comme si je prenais la défense. Si je dois jouer le rôle d'un avocat ici, c'est d'être le vôtre. De toute façon, je n'ai pas encore fait cette proposition à cet homme. Je suis juste là pour avoir votre opinion à ce sujet. Madame, prenez l'argent. Acceptez mon conseil. Prenez cet argent et sauvez votre nièce et vous-même de la mauvaise réputation que cette affaire pourra vous coller si jamais elle devient publique. Utilisez cet argent pour l'envoyer dans une bonne école. Sécurisez son avenir et développez un bon business à votre propre compte. C'est vrai que ma proposition n'a pas l'air d'être raisonnable, madame. Elle reste la meilleure proposition qui vous reste pour vous sortir de cette tragédie. Maintenant,
Que pensez-vous de cela? Je demanderai l'avis d'Ogoshi. Si jamais je dois le faire. Violeur, vous n'êtes pas mon ami. En effet, je vous déteste tellement. Je vous déteste tellement, tellement après ce qui vient de se passer. Et que si j'étais un juge, et que cette affaire se trouvait sur ma table, je vous enverrais moisir en prison sur le champ, Monsieur Henri. Mais en effet, je suis tellement, tellement en colère contre moi, et je n'ai qu'une seule envie. Mais alors, que devrais-je faire pour assurer à cette innocente fille une meilleure vie après cette expérience traumatisante? Et aussi, comment sauverais-je votre femme et vos enfants des stigmates dans lesquels votre folie leur conduira si cette affaire devenait publique? Maintenant, dites-moi, est-ce une chose que vous êtes prêt à leur révéler? Ou dois-je leur dire de l'oublier? Écoutez, je ne peux vous en vouloir, c'est Jean Bright. Si vous étiez à ma place, et moi à la vôtre, je vous aurais certainement détesté plus. Puis-je vous poser une question, sergent? Faites-vous ça pour me faire passer pour un démon? Pourquoi devrais-je faire une telle chose? Pourquoi perdre mon temps à vous faire une telle chose, alors que vous êtes déjà un homme maudit au-delà de la rédemption, Monsieur Henri? Laissez-moi vous demander. Si vous étiez à ma place, sachant pertinemment que je suis innocent, que feriez-vous? Monsieur innocent, avez-vous essayé de penser à l'image de votre femme et de vos enfants et à ce qu'ils peuvent ressentir? L'avez-vous fait? J'aime ma femme et mes enfants énormément. Alors faites-le pour eux, sans toutefois réfléchir. Je peux voir que vous n'avez pas du tout honte. Faites-le. Faites-le et évitez-leur le déshonneur et le ridicule. Faites-le, sinon ils souffriront à jamais. Ils souffriront beaucoup, psychologiquement et physiquement, à cause de tout ceci. Faites-le. Acceptez-vous de lui parler? Ces gens, je le ferai. J'accepte de voir cette femme. Et je payerai. Je payerai pour éviter la honte à ma famille. Vous n'avez pas demandé à me voir pour vous moquer de moi, j'espère. Ou alors vous voulez me violer comme vous avez violé ma nièce. Je vais être clair, madame. Je n'étais pas pour cet arrangement. C'est une idée de ces gens braille. Je ne suis pas coupable. J'accepte cette rencontre pour l'honneur de ma femme que j'aime énormément, pour mes innocents enfants.
Je le fais pour leur éviter la honte que cette affaire leur causera si jamais elle devient publique. Je le fais aussi pour cette innocente petite fille qui a dû vivre cette horreur parce qu'elle s'est retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. En tant que père de famille, je suis choqué par ce qui vous est arrivé. Mais je ne cesserai jamais de souhaiter le mal et la mort à celui qui a osé violer votre nièce. Et pour cela, je suis toujours disposé à faire en sorte qu'elle n'ait plus jamais à revivre une pareille situation dans sa vie. Alors, c'est bon. D'ailleurs, maintenant, je comprends pourquoi est-ce qu'il vous appelle le Madame, diable. Madame, je ne suis pas un diable, contrôlez vos mots. Sinon? Sinon quoi? La seule chose qui pourrait m'arranger à conclure cette affaire avec vous, c'est que vous acceptiez d'abord que c'est vous qui avez violé ma nièce et que vous vous excusiez pour ça. Je ne ferai pas une telle chose, madame. Je préfère encore aller en prison ou de mourir que d'accepter d'avouer un crime que je n'ai pas commis. Je ne suis pas un violeur et je n'ai pas violé votre nièce, s'il vous plaît. Sergent, appelez-moi lorsqu'il sera prêt à avouer ce crime. Je ne pourrai négocier avec lui, accepter cette condition. Ah, s'il vous plaît, madame Inès, attendez, attendez. Écoutez, madame Inès, plus vite nous en discuterons, plus vite nous mettrons un terme à cette réunion. S'il vous plaît, vous n'avez rien à me dire, sergent Britt. Dites à cette bête de se remuer les ménages. Ah. Dites-lui que ce que je demande, c'est la meilleure chose qu'il ait à faire. S'il veut que cette affaire soit enterrée, s'il dit non à ce marché, alors moi, je dirais aussi non à toute forme de négociation, peu importe. Envoyez cette affaire en justice. Pourquoi tout ça? Très bien. Ces gens, ramenez-moi dans ma cellule. Comme je l'ai dit, je préfère encore aller en prison que d'accepter d'avouer un crime que je n'ai pas commis. Non, non, ne retournez pas en cellule, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Madame Inès, s'il vous plaît. C'est bon, j'ai compris. Allons-y. D'accord. D'accord. Elle accepte de discuter avec vous pour le bien de sa nièce. Donc, vous pouvez maintenant lui parler et négocier avec elle. Madame, s'il vous plaît. Qu'attendez-vous exactement de moi, monsieur Henri Diquet? Je suis prêt à vous payer 2 millions pour que cette affaire n'aille pas en justice. Et qu'est-ce qui vous dit que j'accepterai cet argent et que j'oublierai cette affaire après ce que cette petite fille a subi à cause de vous? Madame, je vous l'ai dit, je ne suis pas un violeur et je n'ai pas violé votre nièce. C'est juste un accident malheureux qui est arrivé au mauvais moment et je voulais juste aider. Ma question est, pourquoi avez-vous fait cela? Avez-vous délibérément ciblé Ugochi? Parce que vous saviez que nous sommes pauvres et que vous pouviez facilement acheter notre silence si on vous arrêtait. Madame, je le dis et je le répète encore, je ne vous ai jamais rencontré ni vous ni votre nièce auparavant. Ce n'est pas moi qui l'ai violée. J'ai une femme et des enfants que j'aime énormément. Je ne l'avais jamais trompée jusqu'à hier. Et vous avez seulement choisi ma nièce. Une petite enfant de 10 ans. Je ne l'ai pas violée, s'il vous plaît, madame. Je n'ai pas violé votre nièce. Vous prenez l'argent ou non? Dieu vous punira pour ça. Bien. Donnez-moi 3 millions. Ou vous faites une croix dessus. Seigneur. Puis-je vous aider, monsieur? Pouvons-nous nous asseoir, s'il vous plaît? Ok, venez. Merci. Euh,
Je m'appelle Sergent Braille. Vous ne m'avez pas vu quand vous êtes venu au poste lors de votre précédente visite, parce que c'est moi qui ai amené la victime à l'hôpital. Et j'ai dû rester là-bas avec elle. Ce que j'ai vu, en effet, était pathétique. Et toute femme qui a le cœur d'une femme le condamnerait. Il est méchant. Je dirais Lucifer en personne. Juste pour dire, je suis venu vous voir sous l'ordre de votre mari. Je suis désolée. Je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Je ne veux rien savoir sur cette affaire. Plus du tout. Madame, quoi que vous fassiez, vous êtes déjà impliquée. Henri est votre mère et le père de vos enfants. Je le sais. Je sais, c'est la triste réalité avec laquelle je devrais vivre toute ma vie. Mais actuellement, je ne veux plus rien avoir à faire avec Henri. Bien. Il y a un nouveau développement qui, je pense, pourrait aider à tout résoudre. Si seulement vous vous accordez avec votre mari. Vous savez que cette affaire n'a pas encore été rendue publique du fait des strictes instructions données par la police à tous ceux qui sont impliqués. De ne parler de ça à personne pour le moment. Du fait du moins que nous puissions continuer à mener des enquêtes et non survoler l'affaire. Ce qui veut dire votre image publique et celle de vos enfants, vos parents, la victime, sa famille et bien sûr Henri resteront intactes. Pour que nous puissions fermer ce fâcheux épisode une bonne fois pour toutes et pour vous éviter beaucoup de souffrances. Aujourd'hui et aussi dans le futur, votre mari a offert à la victime et à sa famille une somme de 3 millions de naira pour classer l'affaire. Quoi? J'espère qu'il n'a pas accepté cette offre bidon. Ces gens sont si pauvres que pour eux, une telle offre est comme un miracle de Dieu, malgré la douleur qu'ils ressentent. Madame, au regard des conditions dans lesquelles vit cette famille, nous nous sentons obligés de laisser agir ainsi et c'est pour cette raison que je suis là. Et la police? Calmez-vous, madame. Henri a dit que son business est un partenariat entre vous deux et son compte en banque est géré de telle façon qu'il ne peut pas faire de transactions si vous ne signez pas le chèque. Bien, il m'a donné ces deux papiers pour vous. C'est le chèque de 3 millions de naira. Madame, s'il vous plaît, signez-le pour lui. Afin que nous mettions définitivement un terme à cet fâcheux épisode d'une bonne fois pour tout avant que les choses ne dégénèrent. Monsieur, le fait d'avoir commis l'erreur d'épouser et faire confiance au diable ne fait pas de moi une diablesse. Je ne m'impliquerai pas dans cette affaire. Cette petite fille mérite justice pour ce qui lui est arrivé. Aussi longtemps que je vivrai, cela n'arrivera pas. Alors, il est mieux pour vous que vous vous léviez de mon fauteuil et sortez. Si j'entre et qu'à mon retour vous êtes encore là, vous allez le regretter. Contrôlez vos mots, madame. On ne parle pas à un officier de police de cette façon. C'est quoi ça? Vous êtes encore là? Vous êtes encore là? Sortez d'ici! Dégagez! Vous dites que ma femme a refusé de signer le chèque. Elle n'a pas seulement refusé de le signer, Henri. Elle l'a déchiré devant moi et m'a foutu hors de la maison, me menaçant avec un couteau de cuisine et m'interdisant de ne plus jamais lui parler de ça. C'est un miracle que je sois en vie et que je sois ici à te parler, Henri. Monsieur Henri, la femme que j'ai vue est prête à tout, y compris vous tuer. Pour vous faire payer amèrement d'avoir violé cette fille. Ces gens, je n'ai pas violé cette petite fille. Je suis un homme bon.
Seigneur. Seigneur, où es-tu? Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là, oh, me regarde en souffrir de cette façon. Seigneur, je suis ton enfant. Seigneur, où est ta justice? Comment peux-tu m'abandonner dans cette situation, Seigneur? Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Calmez-vous, Henri. Calmez-vous. Comment voulez-vous que je sois calme, ces gens? Non, dites-moi. Ma propre femme m'abandonne. Et je serai probablement condamné pour un crime que je n'ai pas commis. Dites-moi, ces gens, comment me calmer? Comment pourrais-je me calmer? Bien. Il y a une autre information que je ne vous ai pas donnée. Laquelle? Madame Eunice dit que si vous ne lui donnez pas son argent aujourd'hui, elle se retirera. Vous vous entendez parler? Et c'est vous qui me dites de me calmer. J'ai pensé que vous avez eu une bonne nouvelle à me dire. Comment vais-je trouver de l'argent pour me sortir de cet endroit? Non, dites-moi, ces gens. Je suis déconcerté là, Henri. Comment? Comment un riche homme d'affaires comme vous peut-il parler ainsi? Donc vous voulez me dire que vous n'avez pas d'amis, de parents ou un partenaire d'affaires qui peut vous prêter une minable somme de 3 millions pour vous sortir de ce pétrin? Sergent, je n'ai pas d'amis. Les seuls amis que j'ai, c'est ma femme et mes enfants. Et Richard, les autres personnes qui m'entourent sont des partenaires d'affaires. Et je ne peux me permettre d'oser leur demander une aussi grosse somme d'argent. Car si je le fais, ils vous donnent des explications. Vous et moi, nous savons pertinemment que je ne dois pas donner de plus en plus d'informations à qui que ce soit. Êtes-vous obligé de leur dire la vérité? Sergent, je me suis juré de ne jamais mentir à quelqu'un. En mentant à ma femme, je me suis retrouvé dans ce merdier. Je ne le referai plus. Ok. Si Richard est le seul ami et partenaire proche de vous, pourquoi ne l'appelez-vous pas? Pour qu'il vous aide? Et même s'il n'a pas cet argent, il peut le prêter ailleurs. Et à votre sortie d'ici, vous le lui remboursez. C'est vrai. C'est une bonne idée, Serge. Mm-hmm. Merci beaucoup. S'il vous plaît, puis-je avoir votre téléphone? Je vous en supplie, laissez-moi l'appeler. Heaven smile on you. Oh yeah. Heaven fight for you. I say heaven fight for you. Oh. Oui, allô? Oui, Richard, c'est moi, Henri. Je t'appelle du poste, c'est le numéro d'un policier. Écoute, Richard, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que tu me fasses une grande faveur. S'il te plaît. Oui. La fille et sa famille ont accepté de prendre la somme de 3 millions de naira pour enterrer l'affaire. Aide-moi à réunir cet argent. Oh, Richard, oublie ça pour le moment. Réponds-moi, s'il te plaît. Je te rembourserai une fois d'ailleurs, s'il te plaît. Allô? 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 Richard, accouché. Heaven smile on you. Heaven smile on you. Oh, Richard, éteins ton téléphone. Est-ce le réseau qui dérange? S'il te plaît, je dois passer cet appel. C'est le réseau. Oh! Ah! Sa ligne est coupée. Que se passe-t-il? Apparemment, vous n'avez vraiment pas d'amis. Je me demande bien quel genre d'homme vous êtes réellement. Je suis un homme bon, ces gens.
Un homme bon qui a violé une mineure, qui ment à sa femme, cache la vérité à la police. Un homme bon, mon œil. Ces gens, je n'ai pas violé cette petite fille. Remettez-moi mon téléphone et je me casse d'ici. S'il vous plaît, ces gens, s'il vous plaît. Juste un dernier appel. C'est ma dernière carte qu'il me reste pour sortir d'ici, s'il vous plaît. Et qui est-ce? Ma petite sœur. Richard, je t'ai appelé pour des informations. Rien de plus. Mon cœur s'est brisé en petits morceaux après ce que Harry a fait la nuit dernière. Je ne sais même pas comment expliquer ce que je ressens en ce moment. Je me sens trahie, tellement déçue. Je me sens hébétée. Je ne sais même plus comment exprimer ce que je ressens. Mais au milieu de toute cette confusion, une partie de moi ne cesse de me dire que Henri est innocent de ce dont on l'accuse. Je le dis parce que je le connais très bien. Ça fait de nombreuses années que nous vivons ensemble. Et ce dont on l'accuse n'a rien à y voir avec qui il est. C'est un homme bien. C'est un homme innocent. Il est si humain. Je ne sais même pas comment décrire le genre de personne qu'il est. De toute ma vie sur Terre, je n'ai jamais rencontré un homme. Un homme bon comme lui. Il adore les enfants. Comment un homme pareil peut être accusé d'un tel crime? Alors, que veux-tu entendre? Qu'est-ce que tu suggères? Je ne sais pas, je suis confuse. Peut-être qu'il y a quelque chose à propos de lui que je ne sais pas. J'aimerais que tu me le dises. Je veux juste des informations. Ethel, dis-moi exactement ce que tu veux que je te dise. Richard, Henri et toi avez vendu pour le même homme et appris le même commerce. Vous êtes très proches. Tu étais l'ami le plus proche de Henri. Tu l'as connu avant moi. Et j'ai le sentiment qu'il y a des choses à son sujet que j'ignore. Et c'est ce que j'aimerais que tu me dises. Ethel, tu dois me jurer que peu importe ce que je dirai, tu ne le répéterais à personne. Je te le promets, je ne le dirai à personne. Tu as ma parole. Pendant la réunion d'affaires entre moi, Henri et mon ami, Henri nous a dit avec insistance que si nous souhaitons faire des affaires avec lui, il devra d'abord nous initier dans un club. C'est la seule manière pour nous de faire des affaires avec lui. Club 2 ? Je ne comprends pas. Dans un club de rencontre ? Aussi longtemps que je sais, il n'appartient à aucun club. Exactement. Tout ce que je te dis, c'est ce qu'il nous a dit. Henri m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a fixé longuement. Il m'a dit qu'il est membre d'une société secrète ritualiste. C'est ça, et j'ai dit oui. Oui. De devenir membre de ce business, je veux dire, de telles affaires entre les membres a été adoptée il y a 3 ans. Oui, il y a 3 ans. Alors pour que mon ami et moi puissions faire des affaires avec eux, nous devons être initiés dans cette secte étrange. Et pendant qu'il continuait, je faisais semblant d'être intéressé afin qu'il soit plus galvanisé. Alors, il m'a dit que ces ritualistes opèrent chaque 6 mois qu'ils doivent coucher avec une vierge fraîche une petite vierge de moins de 12 ans, afin que leur richesse s'accroisse. Ethel, je suis vraiment désolé de te le dire. Je pense que Henri a violé cette petite fille. Oh, oh. What a
Adako, s'il te plaît. S'il te plaît, je veux que tu sois plus forte que jamais. Tu dois rester forte pour moi, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, sois forte pour ma fille. C'est bon. Hein. S'il te plaît, soyons forts. Qu'est-ce qu'il y a, Adam? Parle-moi, qu'est-ce qu'il y a? Grand frère Henri, j'ai grandi en te regardant, pas seulement comme un grand frère, mais aussi comme un père. Je l'ai fait parce que, quand nous avons perdu nos parents, notre grand-mère aussi nous a quittés. Et à partir de ce moment, jusqu'à présent, tu as joué le rôle de mon grand frère, mais aussi celui de mon père. Et de la meilleure des manières. J'ai toujours cru en toi. Je t'ai toujours fait confiance. Parce que tu ne m'as jamais menti. Maintenant, j'invoque le sang qui coule dans nos veines en tant que frère et sœur. L'esprit de nos défunts parents. Et celui de notre grand-mère qui nous a pris la main tous les deux avant de mourir pour te poser cette question. Je veux que tu me regardes dans les yeux et que tu me répondes. Je veux aussi que tu saches que ce n'est pas qu'à moi que tu parles, mais aussi à l'une de tes proches qui t'aime. Grand frère Henri, tu fais ce dont on t'accuse. Adam, tu ne l'as pas fait. Ton frère est innocent. Je le juge sur ma vie et pour ce qui compte pour moi sur cette terre. Et même sur ma virilité. Tout ce que j'ai eu à faire pendant ma rencontre avec cette fille avant mon arrestation n'a rien de mal. Et la partie la plus triste est que la vie tout entière d'une innocente petite fille a été gâchée à cause de ça. J'ai pleuré cette nuit. J'ai pleuré pour tout ce qu'elle a inventé. Pas parce que je suis coupable. Ou pas parce que ma femme la croit. Parce que je sais qu'on l'a forcée à dire que c'est moi qui l'ai violée. Et qui a bien pu faire ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Adam. Tout ceci doit prendre fin. Et cette fille doit avoir une vie meilleure. Et pour cela, j'ai dû accepter de donner de l'argent aux forces de l'ordre. C'est pour cette raison que j'ai été obligé de sortir de l'école pour que tu viennes m'aider à assurer ma libération. Adako, s'il te plaît, aide-moi. Aidons cette fille. Aidons cette innocente fille. Je vais être libre afin de découvrir la main noire qui se cache derrière tout ça. Et laisse poser. Ainsi je pourrai vivre paisiblement, je t'en prie. S'il te plaît, ma sœur. S'il te plaît. Mon frère, je te crois.
ne l'a pas fait. Je te crois. Oh, merci, Seigneur. Merci, 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 merci. Alors? Merci. Merci infiniment. Tu ne peux pas savoir ce que je ressens en ce moment. Merci une fois de plus. Je te dis infiniment merci pour ce que tu viens de me donner. Une chose pour laquelle j'ai supplié tous ces gens qui m'entourent au quotidien. Tu viens de faire renaître l'espoir en moi. Merci, Adaku. Alors, comment pourrais-je t'aider? Tout d'abord, je veux que tu... Je ne me souviens pas de vous avoir vu avant. Vous avez raison, monsieur. Je m'appelle Adaku, la petite sœur d'Henri Diquet. Oh, d'accord. Je vois. Je me préparais même d'aller le voir avant que vous n'arriviez. Vous a-t-il envoyé vers moi? Oui, monsieur. Il y a du nouveau et il m'a envoyé vous demander votre avis par rapport à cela. Avant de prendre une décision. La famille de la victime a demandé la somme de 3 millions de Naira pour enterrer l'affaire. Il aimerait que vous lui disiez s'il doit le faire ou non. Ils l'ont demandé. Ou alors c'est lui qui le leur offre. En réalité, c'est le résultat d'une négociation entre lui et la famille. Une négociation? Autrement dit, c'est lui qui a fait la proposition et ils l'ont acceptée. Oui. Intéressant. Très, très intéressant. Voyez-vous, après avoir soigneusement évalué ce qu'il m'a dit, comparé au dire de la victime, ceux du docteur qui s'est occupé d'elle, et ce que la police m'avait dit au sujet de l'affaire, je lui conseillerais de négocier un arrangement à l'amiable. Il doit s'y mettre tout de suite. Honnêtement, ses chances de ne pas aller en prison pour une longue période, si l'affaire va en justice, sont de zéro. Qu'il paie l'argent et ça ira. Mais maître, mon frère dit qu'il est innocent et je le crois. Qu'est-ce qui vous dit que cette affaire n'est pas encoumontée? Encoumontée? Eh bien, est-ce que la victime et la police ont donné la propre version de l'histoire? C'est pas étonnant. C'est normal qu'une femme comme vous puissiez parler de cette façon. Il peut compter sur moi pour le défendre, si je peux le dire ainsi. Cette affaire est très sale pour qu'une personne veuille être associée. Nous autres avocats, nous sommes habitués à voir ce genre de cas tous les jours. La pauvreté de la fille et de sa famille lui offre une opportunité de se tirer de cette affaire. Qu'il fasse très rapidement, car si l'affaire s'ébruite, elles auront les meilleurs avocats et des avocats de l'aide juridique derrière elles. Même le juge le plus sceptique sera influencé par l'opinion publique et je doute fort qu'il s'en sorte. Et ce, malgré les démarches que j'ai entreprises. C'est une opportunité qu'il ne doit pas rater. Il doit la saisir maintenant, avant qu'il ne se fasse tard. Si je ne me trompe pas, vous êtes là pour avoir mon avis professionnel. Et c'est exactement ce que je viens de vous donner. Alors c'est une opportunité qu'il doit se dépêcher de saisir rapidement. Rapidement. Je dis rapidement avant qu'il ne se fasse tard. Comment peux-tu croire des choses aussi scandaleuses au sujet de ton propre mari? Et au fait, qui est l'animal qui te l'a dit? Et comment diable l'as-tu su? S'il y a un animal dans toute cette affaire, c'est ton frère Henri.
c'est un animal. Pensez que j'ai été mariée à un montard pendant toutes ces années. C'est ce qui me fait mal. J'ai cru y avaler tout ce que ton frère me disait pour au final le découvrir. De cette manière, Henri appartient à une secte diabolique. Et pour assouvir ses désirs diaboliques, il a violé une femme comme toi et moi. Pas juste une femme, mais une petite fille, une mineure. Je ne veux même plus y penser. Je sais, ça me rend malade de penser que j'ai été mariée à Henri pendant des années sans savoir qu'il était ce genre de personne. Ce qui me rend encore plus malade, c'est le fait de te voir assise là, ouvrant la bouche, me demandant de l'aider. Où est ta conscience, Adeako? N'ose plus jamais me parler de conscience. Parce que si tu en avais une, tu n'aurais jamais abandonné et laissé ton mari souffrir pour une chose qu'il dit ne pas avoir commise. Tu te bases uniquement sur de simples déclarations. Hein? Tu appelles l'histoire de cette fille et Henri devant moi. On dit, la fille a dit qu'Henri l'a violée encore, encore et encore, malgré qu'elle l'a supplié. Tu appelles ça Andy? Nous y voilà encore, Edel. À croire tout ce que tu entends, excepté ce qui vient de la bouche de ton propre mari. Qu'il ne l'a pas fait. Et la police dit que la fille ne jamais avoir vu ton mari. Et ils sont supposés s'être rencontrés dans la nuit. De plus, une nuit noire. Dis-moi, comment pouvait-elle savoir que ton mari était sur le point de l'agresser? As-tu au moins essayé de te poser cette question? Ou alors, as-tu au moins considéré la possibilité que la fille pourrait aussi être une victime? Oui. Elle pourrait être un instrument utilisé par le diable pour nuire la vie de ton mari. As-tu au moins pensé à ça? Adeako, pourquoi devrais-je penser à une idée aussi idiote? Tu sais pourquoi? Parce que Henri est ton mari. Henri est le père de tes enfants. Sans oublier que si cette affaire devient publique, tes enfants et toi souffriront le plus. Oui. De plus, ton mari affirme qu'il ne l'a pas fait. Et en tant qu'épouse qui aime énormément son mari, il mérite le bénéfice du doute de ta part. As-tu besoin de plus de raisons? C'est bon? Adeako, quelqu'un que tu aimes et à qui tu fais confiance, a-t-il déjà eu à te mentir? Je comprends ta colère et ta déception, crois-moi. Mais il y a une chose qu'Henri m'a dit aujourd'hui. Il aimerait que toi et moi unissons nos forces et le soutenions inconditionnellement aussitôt qu'il sortira. Henri m'a dit qu'il fera absolument tout son possible pour découvrir les personnes cachées derrière cette grosse arnaque et libérer cette fille de leur filet. Et aussi lui offrir une meilleure vie. Crois-moi, je fais l'effort de contenir ma propre colère parce que je suis toujours en quête de vérité. Elle pourrait être plus grande que la tienne et exploser comme une bombe en plein visage d'Henri. Si jamais nous découvrons qu'il a effectivement violé cette fille. Ou alors s'il ne tient pas ses promesses aussitôt qu'il sortira de là. Crois-moi, Edel. Nous sommes toutes les deux dans le même bateau. Crois-moi. Edel, tu crois vraiment en ce que Henri te dit? Je n'ai aucune raison de ne pas le faire. Suis-moi. Accordons à Henri le bénéfice du doute. Du moins, pour l'instant. S'il te plaît, Edel, s'il te plaît. Donne-moi le chèque. I see heaven smile on you.
Ogoshi, 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 Ogoshi. Ogoshi, qu'est-ce qu'il y a, Ogoshi? Ogoshi, 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 c'est bien que quelqu'un m'aide. Que quelqu'un m'aide. Hey, que quelqu'un m'aide, que quelqu'un m'aide. Ogoshi, Ogoshi, Ogoshi. Sergent, vous m'avez demandé de venir urgentement. Que se passe-t-il? Comment va la petite fille? Oui, elle a essayé de se suicider. Elle a mélangé du ciment avec de l'eau et elle l'a bu. Oh, Seigneur, pourquoi? Où est-elle? Magnesa! Pourquoi votre mari a-t-il fait ça, Hugo? Je suis désolée. Est-ce parce que nous sommes pauvres? Pourquoi? Ce n'est qu'une orpheline. Sa mère est morte quand elle n'avait que 2 semaines et me l'a laissée. Pourquoi? Je suis vraiment désolée. Pourquoi? Je suis pourquoi? Vraiment désolée. Pourquoi? Je vous demande pardon. Docteur. Madame, calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. Elle est stable actuellement. Et je dois vous l'avouer, ça a fonctionné par la grâce de Dieu. Ok. Docteur. Docteur, s'il vous plaît, calmez-vous, venez. Calmez-vous, une infirmière va vous y conduire. On peut la voir. Ogoshi. Ogoshi. Tata, c'est trop dur. Tue-moi. Elle ne peut pas parler. Oh mon Dieu, ne dis pas ça. Tue-moi. Ne parle plus comme ça. S'il te plaît, ma chérie. Je n'en peux plus, tantine. Tue-moi. Ne dis pas. Tue-moi, bon, je n'en peux plus. Tu ne vas pas mourir. C'est bon, ma chérie, calme-toi, ça va aller. Stay away, going insane. Ma chérie, pourquoi? Pourquoi? Allô, Ethel? Je n'ai pas encore l'argent, mais je suis presque à la banque. Hein? Que je ne m'y rende plus? Pourquoi? Ethel, Ethel, s'il te plaît, calme-toi et parle-moi, s'il te plaît. Ethel? Ethel, allô, allô? Elle a raccroché. Oh mon Dieu. Oh mince alors. Que s'est-il passé? Mais Ethel, comment peux-tu me faire ça? Je pensais qu'on avait un accord pour... Comme je vous l'avais dit, c'est ainsi que ça devait se terminer. Justement. Chef, voici la sœur complice. C'est elle qui était censée récupérer l'argent à la banque. Oh, je vois. Jeune dame. Alors, où est l'argent? Quel argent, monsieur? Inspecteur Robiquet. Chef. Sergent Ozita. Chef. Je me fous de savoir comment vous le faites. Fouillez-la méticuleusement et récupérez le moindre centime. Et toute autre pièce à conviction. Faites-le, maintenant. Oui, chef. N'importe quoi. Madame, donnez votre sac. Quoi? Rien dans mon sac. Donne le sac. Fouille ce truc. Viens ici.
Inspecteur, laissez-moi, je vous dis, laissez-moi. Madame, calme-toi. Si tu me pèses encore, je vais te jeter en cellule. Laisse-moi, laisse-moi. Cette fouille est là, très bien, chef. Laisse-moi tranquille. Hey. Donne-moi ce sac. Je crois qu'il est vide. Vider. Je vais le vider. C'est vide, chef. Que de bêtes choses. En ce moment, une personne pense que elle peut nous empêcher de fouiller son sac. Toujours rien. Il n'y a rien ici. Oh gars, je n'ai rien trouvé. Pour l'amour de Dieu, pourquoi m'agressez-vous? Madame, tais-toi, mon ami. Cessez d'insulter mon chef. Je suis Maître Ndélé. Je suis un avocat spécialisé en droit humain. Et vous êtes placé là à regarder des officiers de police soumettre une innocente dame à une fouille aussi humiliante? Dites-moi, quel genre de défenseur des droits humains êtes-vous? Ou alors les droits des femmes ne comptent pas pour vous, c'est ça? Eh bien, la police était juste en train de faire son job. Vous avez dit quoi? Je ne l'aurais pas fait. Si vous m'aviez écouté. J'appartiens à la White Bear Tears, une organisation d'avocats spécialisée dans le droit des enfants basée à Lagos. Mon organisation m'a envoyé pour intervenir dans l'affaire du viol de l'enfant et tentative de meurtre impliquant votre frère, Monsieur Henri Dinké. Et pour la même occasion, nous représentons aussi la petite Ogushi Odeno dans cette affaire. Je me fiche de savoir qui vous représentez. Dites-moi, en quoi cela justifie-t-il ce qui vient de se passer? Commissaire, cette femme doit entrer en cellule. Inspecteur, c'est bon, calmez-vous. Quand on la met en cellule, elle ne doit pas venir s'y parler de cette façon. Savez-vous que faire pression sur une victime de crime en lui proposant de l'argent et en enclavant le cours de la justice, comme vous le faites pour aider votre frère, est passible d'une peine d'emprisonnement? Bien. Où est l'argent que votre frère vous envoie à les retirer à la banque afin de payer au... pour que l'affaire soit enterrée? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu ne sais pas? Bien. Si vous ne l'avez pas encaissé, dites-nous, où est le chèque? Vous voulez entendre la vérité? Quand la police est venue convaincre mon frère de conclure une négociation, dès cet instant, il a su... Attendez une minute. Aucun de mes officiers ici présents n'a eu ce genre de discussion avec votre frère. En fait, il y a de cela quelques minutes, le sergent Bright a catégoriquement démenti les allégations que votre propre frère avait eu à faire en sa présence. Mais c'est une blague! Ok, très bien. Donnez-le-moi. Est-ce que pour vous, c'est une plaisanterie? Vous n'avez pas demandé à me voir pour vous moquer de moi. J'espère. Ou alors vous voulez aussi me violer, comme vous avez violé ma nièce. Je suis prêt à payer 2 millions pour que cette affaire n'aille pas en justice. Pourquoi avez-vous fait ça? Avez-vous délibérément ciblé Ogushi? Parce que vous savez que nous sommes pauvres et que vous pouviez facilement acheter notre silence si jamais on vous arrête. Vous prenez cet argent ou pas? Dieu vous punira pour ça. Bien. Donnez-moi 3 millions. Ou vous oubliez cette affaire. Avez-vous entendu la voix d'un quelconque officier en fond sonore? N'est-il pas évident, à partir de ce que vous venez d'écouter, que votre frère était littéralement en train de forcer la dame à accepter de l'argent, simplement à cause de sa position? Hein? Madame, tu ne parles plus. Sorcière. Grand frère Henri, maintenant dis-moi, combien d'autres mensonges caches-tu dans ton sale regard? Avec tout ce que j'ai eu à dire, il s'avère que tu l'as clairement fait. Dis-moi. De quoi parles-tu? Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi m'as-tu menti au sujet de ta négociation avec Madame Nice? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu as profité de leurs conditions misérables pour user de ton pouvoir sur elles? Dis-moi, comment as-tu pu?
Comment as-tu pu? Avec toutes les personnes que je me suis mise à dos pour toi, comment as-tu pu? Assez, assez, arrête. S'il te plaît, je te supplie d'arrêter. Je le répète, je ne suis pas un violeur. Je n'ai pas violé cette fille. Je n'ai non plus influencé les décisions. Tu... Es-tu au courant que cette femme a fait un enregistrement vocal de votre conversation? Quoi? Oui. Elle a absolument tout enregistré. Quoi? Le commissaire, j'ai dû le supplier comme une malade pour qu'il l'envoie sur mon téléphone. Le voici, écoute-le. Vous n'avez pas demandé à me voir pour vous moquer de moi. J'espère. Ou alors vous voulez aussi me violer, comme vous avez violé ma nièce. Je suis prêt à vous payer 2 millions pour que cette affaire n'aille pas en justice. Pourquoi avez-vous fait ça? Avez-vous délibérément ciblé Okochi? Parce que vous savez que nous sommes pauvres et que vous pouviez facilement acheter notre silence si jamais on vous arrêtait. Vous prenez cet argent ou quoi? Dieu vous punira pour ça. Bien. Donnez-moi 3 millions. Ou vous oubliez cette affaire. N'est-ce pas ce qui s'est passé? Seigneur. Mon frère, pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi? Seigneur, cette affaire se complique. Adam, j'ai quelque chose à te montrer. Je veux que tu sois calme. Je veux que tu saches. Le grec se dévoilera bientôt. Pas que tu te mettes à crier quand je te le montrerai. Je te mets instructions. C'est caché derrière mon dos. Viens derrière mon dos. Aide-moi à le prendre. Viens, viens, dépêche-toi. Un téléphone? Chut, pourquoi cries-tu? Assieds-toi. Comment as-tu? Chut, doucement. Je l'ai eu des mains de Maître Asuko. La nuit où j'étais arrêté, il m'a rendu visite. Un avocat t'a donné un téléphone? Ada. Et pourquoi l'as-tu laissé faire? Ada. Pourquoi faire? Ada, s'il te plaît, ne m'interrompe pas, je vais tout te dire. Je l'ai pratiquement forcé à me donner. Et je l'ai juré que jamais, au grand jamais, je ne révélerai son nom, même si je vais en prison. Pourquoi? Ok. Depuis la nuit où j'ai été arrêté et conduit ici, j'ai plus fleuré que c'est un coup monté. Et pour le mec en déroute, j'ai compris que il me fallait à tout prix un plan B. Si je voulais m'en tirer, j'avais besoin d'un plan B pour laver mon nom de tout ce dont ils m'ont accusé. Alors à partir de ce jour jusqu'aujourd'hui, toute la conversation, tout ce que l'on a pu me dire ou tout ce que j'ai eu à dire, quelqu'un a été enregistré, y compris la négociation, que tu trouveras dans les fichiers 6 et 7 de ce téléphone. Alors, s'il te plaît, j'aimerais que tu les transfères dans ton téléphone afin que tu les écoutes quand tu seras hors du poste. D'accord. C'est fait. C'est déjà fait. C'est transféré. Oui. Alors, dis-moi, Eloché, pourquoi n'as-tu pas encore encaissé? Grand frère, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein? Aux environs de 11 heures, ta femme a appelé et m'a dit que je devrais tout annuler. Pardon? Quand j'ai refusé, elle a appelé le banquier après moi.
Ils ont refusé de me payer. Grand frère, ils ont saisi le chèque. Juste comme ça. Pourquoi m'ont-ils fait ça? Pourquoi? Les instructions de ta femme. Ça ne me surprend pas le moins du monde de sa part. Grand frère, tu aurais dû voir comment j'ai été insultée par les officiers de police. Sans oublier le commissaire. En présence de Madame Nice. Et d'un défenseur des droits humains venant de Lagos. Grand frère, ils en avaient après l'argent. Et aussi le chèque. Pour pouvoir l'utiliser qu'en preuve contre toi. Qui a pu bien me faire ça? Je pense que la police est derrière cette affaire. Parce que c'est le sergent Braille qui a d'abord démenti les allégations selon lesquelles il n'a jamais été présent pendant la négociation entre moi et cette femme. Eh bien... As-tu fini de transférer? Oui, grand frère. Tu les as toutes? Oui. Quand tu partiras d'ici, remets le téléphone à Ethel. Rassure-toi qu'elle écoute ses voix. D'accord, grand frère. S'il te plaît. D'accord. Et moi, je garderai sur toi. D'accord, grand frère. Bonne nuit, petite soeur. La seule chose qui pourrait m'arranger à conclure cette affaire avec vous, c'est que vous acceptiez d'abord que c'est vous qui avez violé ma nièce et que vous vous excusiez pour ça. Je ne ferai pas une telle chose, madame. Je préfère encore aller en prison ou de mourir que d'accepter d'avouer un crime que je n'ai pas commis. Je ne suis pas un violeur et je n'ai pas violé votre nièce, s'il vous plaît. Sergent, appelez-moi lorsque sera prêt à avouer ce crime. Je ne pourrai négocier avec lui, accepter cette condition. Revenez, s'il vous plaît. Asseyez-vous, Madame Eunice. S'il vous plaît, Madame Eunice. Plus vite nous en discuterons, plus vite nous mettrons un terme à cette réunion. S'il vous plaît, vous n'avez rien à me dire, sergent Britt. Ah. Dites à cette bête. Dieu du ciel. Qui a édité l'enregistrement que le commissaire possède? Et pourquoi? Dois-je confronter le sergent Bright ou alors faire écouter ça au commissaire? Non. Passons que Henry m'ait donné sa permission. Tout d'abord, je dois le faire écouter à Ethel. Je suis sûre qu'elle reverra sa position. Après avoir écouté la version de la police, le salaud qui se cache derrière ça. Peu importe qui tu es. Nous te combattrons tous dès à présent comme une seule force. Et non comme une famille divisée. Et ce n'est qu'une question de temps. Tous tes plans maléfiques tomberont comme un château de sable. Et tu seras exposé. Tu veux casser ma... Ethel, pourquoi as-tu encouragé Henry à donner de l'argent à cette fille et à sa famille pour éteindre l'affaire? Sans toutefois m'avoir informé d'abord, Je n'ai encouragé personne. Ethel, je comprends la pression que tu subis actuellement à cause de cette affaire. Mais tu n'avais pas à mentir à ton propre frère. Je ne suis pas une menteuse, tu le sais, je ne mens pas. Mais tu as contresigné le chèque de 3 millions de naira qu'il a offert à cette famille. Qui te l'a dit, Adaku? Tout est déjà sur Internet. Un blogueur a téléchargé l'information et tout est devenu viral en moins d'une heure. Il a aussi téléchargé un enregistrement vocal dans lequel on peut pratiquement entendre Henry en train de forcer la fille et cette famille à accepter l'argent qu'il propose. Oh, Ethel, tu ne peux même pas imaginer les commentaires désobligeants qu'il y a sur toi pour l'avoir encouragé malgré le crime qu'il a commis. Comment as-tu pu? Oh, je n'en reviens. Que dis-tu? Es-tu sûr de ce que tu dis? Vois-le de tes propres yeux.
Quoi? Mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, pourquoi m'associe-t-il à ce genre de scandale? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est... Oh, Eden, calme-toi. Calme-toi. Tu t'en... Qui est là? J'arrive. Ah, ah, ben. Ah, attends, attends, jeune fille. Non, tu ne peux pas entrer. Allez, dégage de ma route, ne m'énerve pas. Tu ne peux... J'ai dit tu ne peux pas. Ah, c'est quoi? Ça ne va pas dans ta tête? Sais-tu que c'est la maison de mon frère? Dégage de mon chemin. Écoute, dégage de là, ouvre le portail. Écoute, madame a dit que je ne dois plus te laisser entrer dans cette maison. Si jamais il arrivait que je te laisse entrer dans cette maison, elle va me renvoyer et je ne veux pas de ça. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu dois partir. Mon ami, dégage de mon chemin. Je vais te faire du mal, oh. Laisse-moi. Il faut partir. Tu veux que je perde mon boulot? Hey, Abdul. Écoute, ma femme va bientôt accoucher. Je pars. Si madame me renvoie, je n'aurai pas dégage un autre boulot. Dégage de mon chemin, tu racontes des bêtises. Écoute, Abdul. Tu ne peux pas entrer. En fait, si tu veux, appelle madame au téléphone. En fait, pars. Appelle madame au téléphone. Appelle. Hey. Appelle madame. Abdul. Abdul, on se portail. Abdul. Il faut appeler madame. Ne casse pas ce portail, oh. Il faut appeler madame. Ça fait mal. Oh mon Dieu. Aïe. Que se passe-t-il? Mon Dieu, que se passe-t-il? Où sont mes enfants? Mais madame, attendez. Maîtresse? Où est la maîtresse? Où est la directrice? Vous êtes la directrice? Vous êtes la directrice? Où sont mes enfants? Mes enfants ne peuvent pas être dans la même école que les enfants de M. Henri Diké. Où sont mes enfants? S'il vous plaît, madame, pouvez-vous vous calmer? Non! Calmez-vous. Je ne veux pas me calmer. Je veux voir mes enfants. Où sont mes enfants? Je dis où sont mes enfants? Où sont mes enfants? Calmez-vous. Où sont mes enfants? Monsieur le directeur. Oui, vous pouvez entrer, s'il vous plaît. Ok. Avez-vous vu ça? Monsieur, je peux tout vous expliquer. Ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Expliquer quoi? Que pouvez-vous expliquer d'autre? Si ce n'est que vous avez contresigné le chèque que vous m'avez envoyé par l'un de nos propres employés. Vous l'avez signé pour lui, n'est-ce pas vrai? Oui, j'ai bel et bien signé le chèque. Mais je l'ai annulé immédiatement, aussitôt que j'ai réalisé que c'était une erreur. Mais la presse n'a pas fait un reportage sur cette partie de l'histoire, est-elle? À quoi pensiez-vous quand vous avez accepté de prendre part à un plan aussi foireux? Une femme et une mère telle que vous, et même quand vous avez su que la jeune fille était sur le point de mettre fin à ses jours, du moins selon le rapport est-elle, comment avez-vous pu? Qu'est-ce que votre mari a bien pu vous dire pour vous convaincre de faire cela? Je suis désolée, mais s'il vous plaît, l'histoire qu'ils ont racontée n'a rien à y voir avec la réalité. La façon dont ils ont rapporté l'histoire est différente de ce qui s'est réellement passé. Vous devez m'écouter, s'il vous plaît. Mais ça, c'est la version que la direction et nos clients ont lue. Et d'après leur réaction, ils n'ont pas du tout apprécié cette histoire. Alors, que voulez-vous dire, monsieur? Plus de 6 de nos principales entreprises clientes et 2 grands juges ont envoyé des emails à la direction générale, menaçant de mettre un terme à nos relations d'affaires si jamais vous n'êtes pas suspendu avec effet immédiat. S'il vous plaît, ne faites pas ça. S'il vous plaît, aidez-moi à me tirer de cette situation, s'il vous plaît. Malheureusement est-elle, mais ça ne dépend pas de moi. Vous savez comment ça se passe dans le secteur bancaire. Le directeur a déjà donné son mot. Tenez. Je suis désolé, je n'ai pas pu faire plus pour vous protéger, est-elle. Je suis vraiment désolé. Je vous en prie, monsieur. Vous devez écouter ce que je m'apprête à vous dire. Oubliez ce que disent les médias sociaux et la presse, je vous en prie. Combien de fois dois-je me répéter, jeune fille?
Je veux plus du tout représenter votre frère. Ah, monsieur, s'il vous plaît. Je vais arrêter de lui louer mes services. Surtout à cause du scandale déclenché par l'affaire de viol de cet enfant. Non, monsieur. Monsieur, vous ne pouvez pas faire ça en ce moment critique. Vous êtes la seule personne à pouvoir lui venir en aide. Sans oublier qu'il a toujours été votre client toutes ces années. S'il vous plaît. Jeune dame, je n'ai plus rien à faire avec lui. Surtout dans ce cas pareil. Maître Asuko, pour l'amour de Dieu, c'est votre client. D'accord, mais vous n'avez pas évoqué la question financière alors que vous voulez que je rende service à votre frère. Maître Asuko, personne ne vous demande de le faire gratuitement. Dites-moi juste votre prix. Mon frère payera. Il payera même le double, s'il vous plaît. Il n'y a aucun montant que vous payerez capable de me pousser à faire une chose qui pourrait m'amener à perdre tous mes clients. Que voulez-vous dire? Parce que mon nom a été mentionné dans plusieurs articles relatifs à l'affaire de votre frère. La majorité de mes clients n'arrêtent pas de m'appeler depuis le matin, menaçant de mettre un terme à leur partenariat avec moi si je n'abandonne pas l'affaire immédiatement. Ma famille et moi dépendons d'eux pour survivre. Donc, c'est un risque que je ne suis pas prêt à prendre pour votre frère. Pire encore, qu'à présent, il soit rendu coupable et passible de passer de longues années derrière les barreaux. Je suis désolé, mais je ne peux rien faire, ma chère. La seule chose qui nous reste à faire, malgré le fait que le monde connaisse des progrès et une civilisation moderne, nous vivons toujours dans une société traditionnelle. Nous avons encore certains comportements considérés comme tabous, ce qui est bien évidemment le cas du viol. S'il vous plaît, Maître Asuko, avant que je ne m'en aille, pouvez-vous, s'il vous plaît, écouter un enregistrement vocal que j'ai dans mon téléphone, s'il vous plaît? Jeune dame, si vous jouez à un quelconque jeu, je prendrai votre téléphone et je le détruirai. Et n'essayez plus jamais de me contacter, ni physiquement, ni au téléphone, ni dans les réseaux sociaux. Maintenant, sortez de mon bureau. Sortez de mon bureau. Et n'y revenez plus. Je ne sais pas ce que j'ai fait à ces gens. Je ne sais pas ce que je leur ai fait. Pourquoi me traitent-ils ainsi? En quoi ça nous concerne, mes enfants et moi? Hein? Ils Madame, vous... comme si j'étais une vulgaire voleuse. Madame, qu'y a-t-il? Adaku m'a demandé de le faire. Je lui ai dit que je ne voulais pas être impliquée dans cette affaire. À présent, c'est comme si c'est moi qui avais encouragé. Pourquoi devrais-je maintenant être celle qui a encouragé une chose aussi mauvaise? Sachant que j'ai une fille. Comme enfant, j'ai deux enfants, un garçon et une fille. Pourquoi pense-t-il que je puisse encourager mon mari à faire une telle chose? Elle m'a forcée à signer le chèque. Maintenant, toute la planète est derrière moi. Comment est-ce possible que je puisse encourager mon mari à violer une petite fille de 10 ans? Est-ce possible? Êtes-vous en train de faire allusion à la gamine qui a été violée par un vendeur de matériaux de construction il y a deux nuits de cela? Oui, je me sens si mal à l'aise en cet instant. Madame, croyez-moi, madame, c'est juste le début de vos souffrances. Qu'entendez-vous par là? Hein? Monsieur, qu'entendez-vous par là? S'il vous plaît, arrêtez. Si vous dites encore un mot là maintenant, je vais vous découper en petits morceaux. Je dis arrêtez cette voiture. Où m'amenez-vous? Hey! Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je ne vais plus crier. Arrêtez juste la voiture, s'il vous plaît. À l'aide! Où allez-vous? Venez. Descendez. Attendez, calmez-vous. Descendez. Arrêtez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suis avancez. Responsable de ce que mon mari a fait. Je vais vous violer comme votre mari l'a fait. Vous saurez ce que ça fait. Je vous en prie. Continuez d'avancer. Chineke. Quoi? S'il vous plaît. Descendez.
à votre tour d'être violée. Ça ne sera rien comparé à ce que votre mari a fait. Descendez. Je suis vraiment désolée. Continuez. Mais avancez, avancez. Non. Avancez. Aïe. Là. Venez là. Madame, madame, venez là, venez là. Couchez-vous. Hein? Couchez-vous. Ok. Couchez-vous. Je n'ai rien. J'ai dit couchez-vous. Je n'ai rien. Couchez-vous. Fait. Restez couché. Je vais vous donner une leçon. Je vais vous donner une leçon aujourd'hui. Votre mari a agressé ma cousine, ma petite cousine, une petite fille de 10 ans. Aujourd'hui, je vais vous violer. Non, je n'ai rien à voir là-dedans, s'il te plaît. Couchez-vous. Allez, couchez-vous. S'il vous plaît, ne faites pas ça. S'il vous plaît. Qui est là? J'arrive. Ah, encore toi. Ah, dégage de mon chemin. Ah, c'est quoi, non? Désolé, Abdul, désolé. Désolé. Je suis désolée. Donc, comme je suis fatiguée, tu me tapes. Je t'en supplie. C'est pour ça que tu me tapes. Désolée. Tous les jours, tu me demandes pardon. Calme-toi. C'est bon. Tu vois ta vie. Je suis désolée. Je demande si tu vois ta vie. Tu m'as tapé, n'est-ce pas? Tu m'as battu parce que je t'ai demandé de rentrer. Tu m'as tapé. Attends, je vais venir te battre. Tu vas voir. Abdul, excuse-moi, s'il te plaît. Abdul. Désolée, s'il te plaît, ne te fâche pas. Madame. Bienvenue, madame. Abdul, qu'est-ce qui t'arrive à ton visage? Tata, ce n'est pas cette tata. Elle m'a battu. Tout ça parce que je lui ai demandé de ne pas entrer. Je lui ai dit que vous avez demandé qu'elle n'entre plus ici. Mais elle a forcé le portail, elle m'a poussé. Je suis tombé, je me suis blessé. Regardez mon visage. Mais je vais Abdul, la blesser. Si ce n'était pas vous et elle, j'allais la blesser comme elle vient de me blesser mais maintenant. Abdul, regardez mon visage. Mais Abdul, je me suis... Que le tonnerre te frappe là. S'il te plaît, Abdul, lui dire quoi? Hein? Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai demandé de ne plus mettre pied dans cette maison. Ou tu voulais juste voir comment je réagirais, c'est ça? Ethel, ce n'est pas ça. Ton mari m'a envoyé avec quelque chose qui te convaincra de son innocence. C'est pour cette raison... Je ne veux plus rien entendre. Je ne veux plus rien avoir à faire avec Henri. Je ne veux plus rien savoir sur cette affaire, ok? Sors. Et toi, c'est la terre. Henri est ton tendre et seul amour d'enfant. Et c'est pourquoi je regretterai ça toute ma vie. Je ne veux plus rien entendre ou avoir traité quelque chose avec Henri. Écoute, Abdul, tu m'as pris de l'argent pour acheter quelque... N'est-ce pas? Oui, madame. N'hésite pas. Hein? N'hésite pas à l'utiliser sur LCN. Ne sors pas de cette concession dans les minutes qui suivent. Ah, d'accord, madame. Je t'en supplie. Oh, tu vois ça? Tu dis que tu ne pars pas. Alors je vais te tuer, idiote. Tu n'es plus forte. Il fallait rester, j'allais te tuer. Tu as vu ce que tu as fait à mon visage? J'allais te tuer. Henri, j'ai prié toute la nuit. Et même ce matin quand je quittais Angioloco pour me rendre chez ta femme. Afin de lui faire part de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais j'ai découvert qu'elle était déjà au courant de ce qui se passait depuis longtemps. De l'hôtel dans lequel j'ai passé la nuit. J'ai pensé qu'elle accepterait de me voir. Mais elle a catégoriquement refusé. C'est après avoir reçu un coup de fil de mon ami que j'ai su ce qu'il se disait dans la presse. Et sur les réseaux sociaux à propos de cette affaire. Que j'ai à nouveau décidé d'aller voir ton avocat. Juste parce que j'attendais un soutien de sa part. Grand frère, peu importe la personne qui est derrière les réseaux sociaux et qui est à l'origine de ce cauchemar, elle est vraiment méchante. Elle persécute chacun de nous. Toi, ta femme, tes enfants et moi-même, grand frère. Mes enfants? Oui, grand frère. Leur nom et l'école dans laquelle ils vont sont mentionnés. En effet, mon frère. Tu devrais voir à quel point vous êtes sur toutes les pages des blogueurs. Tu peux vérifier par toi-même. Les gens sont méchants. Regarde. Regarde ça. Oh non. Ça, c'est méchant. Grand frère, comment vais-je encore aller à l'école? Comment vais-je continuer mes études avec ça? Comment? Je suis sûre que tout le monde parle de moi sur le campus. Ah d'accord, ça va aller, ok? Ce n'est pas bon, grand frère. Pas du tout. Cette affaire est venue ruiner toute ma réputation. Celle de ta famille également, grand frère. Ton avocat t'a abandonné. Tes amis. Et même tes partenaires d'affaires. Et tu risques d'aller en prison pour ce que tu n'as pas fait, grand frère. Avec tout ça, comment pourrais-je aller bien, grand frère? Comment? Comme qu'aucun membre de notre famille ne t'a contacté depuis lors.
Même toi, Mekla Soko, tu es une fausse personne. Un homme que j'ai aidé à payer le loyer de son bureau il y a de cela des années. Et à qui j'ai demandé pratiquement de ne pas me rembourser. Quel ingrat. Dis-moi, grand frère, qu'allons-nous faire maintenant? Allons-nous croiser les mains et regarder quiconque se cache derrière cette affaire continuer à tirer les ficelles? Pas du tout. Nous allons nous associer et nous battre comme une équipe et comme une famille à Dagou. Aujourd'hui ou encore demain, nous aurons besoin d'Etel à nos côtés. Et ça sera difficile. Mais tu devras faire tout ton possible. Tout ton possible pour la maigre de notre côté. Cette affaire, à la lue où elle va, finira par aller en justice tôt ou tard. Et quand cela arrivera, nous aurons besoin d'un bon avocat. Tu sais ce que cela signifie. Ça nécessitera énormément d'argent. Tu comprends que Etel jouera un très grand rôle pour sauver notre famille. Et de deux, tu devras tout mettre en œuvre pour lui remettre cet enregistrement afin qu'elle puisse l'écouter. Au besoin, tu lui apporteras le téléphone dans lequel j'ai moi-même fait l'enregistrement. Fais tout ce que tu peux, s'il te plaît. S'il te plaît, Adako, écoute-moi. Tu es mon seul espoir. Tu es la seule que Dieu peut utiliser pour sortir cette famille de cette affaire. Oui. Ok, grand frère. Grand frère. Oui, petite sœur. Pourquoi tu ne leur montres pas cette preuve afin qu'ils réalisent qu'il y a un repos parmi eux? Non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Si je suis suspecté pour dissimulation des preuves, si jamais les personnes qui en veulent à ma peau et à celle de ma famille tombaient sur ça, que penses-tu qu'elles feront avec de telles preuves? Petite sœur, tant que nous ne saurons pas qui est qui, gardons ce secret dans la famille pour le moment et protégeons-le le plus longtemps possible. S'il te plaît. Ok. Merci infiniment. Merci beaucoup. Je n'ai jamais eu autant peur de toute ma vie. Jamais. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter tout ce qui est en train de m'arriver. Je comprends qu'en si peu de temps, je viens juste de découvrir qui est Henri. Mais les gens devraient avoir pitié de moi. Pitié de moi et non me... et non me cracher dessus. Calme-toi, Edel. C'est évident que cette affaire t'affecte. J'ai parlé avec papa et maman. Et ils m'ont chargé de faire tout ce qui est nécessaire pour te protéger contre toute forme d'agression. Il ne doit en avoir aucune jusqu'à leur retour au pays ce soir. Je ne comprends pas. Papa et maman rentrent ce soir? Oui. Pour... Mais elle n'a pas encore terminé avec son traitement. Pourquoi rentre-t-elle? Maman m'a dit que son traitement a été interrompu et le docteur lui a donné une semaine. Donc, elle revient immédiatement. Non, elle ne peut pas faire ça. Je comprends que beaucoup de choses se passent, mais pas au détriment de sa santé. Je peux gérer tout ce qui arrive. Donc, appelle-la. Dis-lui que je vais bien, s'il te plaît. Devrais-je te rappeler d'elle que tu es l'unique fille de cette famille? Tu signifies beaucoup pour eux, pour nous. En fait, ce que tu viens de dire n'est pas faux. Nous savons tous que dans cette affaire, la police ne peut que... En fait, je veux dire, leur offrir une protection physique. Et dans ce cas, qui assurera leur protection émotionnelle dont ils ont besoin pour mettre fin à ce scandale? Écoute, Richard, si tu penses que j'ai besoin d'Harry ou d'aller voir sa famille, juste oublie ça. Ce n'est pas prêt d'arriver, j'en ai marre. Je ne veux plus traiter avec lui, non. Je ne veux pas. Écoute, Etel. Henri et toi, vous êtes de très bons amis à moi. Aussi vrai que j'aimerais qu'Henri et toi restiez mariés... Je ne peux pas mettre ta vie en danger. Bien, je ne devrais peut-être pas le dire, mais je pense sincèrement que vous devriez quitter la ville. Quitter la ville? Avec mes enfants? Pour aller où? Chez ton père, par exemple. Ou même alors aux États-Unis, si tu veux.
Je pense bien que tes enfants et toi, vous êtes citoyens américains. Je me trompe? Je pensais que c'était quelque chose que je pouvais lui dire et qu'elle m'écouterait jusqu'à la fin. Mais j'ai eu la pire frayeur de ma vie. Ta femme, Ethel, a demandé à Abdul de me tuer à l'aide de son arc. Et la vérité est que, si je n'avais pas été rapide, je serais morte à cet instant. Mais non, Seigneur. Non, Ethel, non. Je comprends que tu puisses être terriblement en colère. Mais Adaku ne mérite pas ça. Grand frère, je suis désolé. Petite sœur, désolé. Grand frère? Hein? Ça donne l'impression qu'il y a quelque chose que tu sais et que j'ignore. Mais non. Dis-moi, qu'est-il arrivé à Ethel aujourd'hui? Je suis désolé, j'ai juste pensé à vous. Mais la vérité est que... Ethel a été suspendue de sa banque aujourd'hui. Oui. À la demande des clients et des actionnaires de la banque. Elle a été suspendue pour avoir participé à la négociation et a été exposée au public à travers les réseaux sociaux. Je pensais que c'était tout jusqu'à ce que j'apprenne que mes enfants ont été également suspendus de leur école à la demande des autres parents d'élèves et d'autres élèves. Mais ma femme est allée à l'école pour changer avec la directrice. Elle a été jetée hors de l'école. Sur le chemin du retour, elle s'est arrêtée pour acheter du carburant. Elle a eu foule en colère. C'est rué sur elle. Elle a pu s'échapper et emprunter un taxi pour la maison. Qui, pour finir, l'accompagnant l'a agressée. Et l'a presque violée. Disons qu'il vengeait la victime du viol. Vois-tu, en découvrant la maison à son retour, elle a été très perturbée psychologiquement. S'il te plaît, essaie de lui pardonner. Maintenant, je comprends pourquoi elle a réagi ainsi. Seigneur, pauvre Ethel. Sans oublier Shidin, jouée princesse. Oh, Ethel en a vraiment bavé aujourd'hui. Adaku. Je meurs à petit feu. Je suis retenu ici. Et je ne peux pas être avec ma famille. La seule chose pour laquelle je prie actuellement, c'est de revoir ma femme, mes enfants, leur sourire, leur dire combien je les aime. Et leur dire combien j'aimerais être à leur côté. Grand frère. Et leur montrer combien je suis toujours leur père. Grand frère, calme-toi. Ça va aller. Notre Dieu est un Dieu de justice. Et tant qu'il sera là, la justice appartiendra toujours à ses enfants. L'esprit de nos défunts parents et celui de notre grand-mère ne laisseront pas ta famille périr de cette façon. S'il te plaît, unissons nos forces. Calme-toi. Merci beaucoup. Adaku. Je ne sais vraiment pas pourquoi Richard n'a pas répondu à Ethel. À l'heure où nous sommes, je pense que Richard est vraiment le seul espoir que nous avons d'avoir été à notre côté. Oui, Richard est plus proche d'Ethel qu'il est de moi. S'il te plaît, va le voir. Fais-lui comprendre qu'au-delà de l'aide financière que j'attendais de lui, je mérite encore une fois de plus qu'il m'aide à réunir ma famille en ce moment. Et qu'il m'aide également à faire écouter cet enregistrement audio à ma femme. S'il te plaît, tu dois le chercher. Car je connais ma femme et elle. Lorsqu'elle est convaincue de quelque chose, elle préférera mourir que de me laisser passer une nuit de plus ici. S'il te plaît, fais-le pour moi. D'accord, grand frère, je le ferai. Je ferai de mon mieux. Merci infiniment. Ok. Allez-y! Portez ce que vous voulez, portez! Je vous demande de porter ce que vous voulez, portez! Portez! Dépêchez-vous, portez! Portez ce que vous voulez, venez! Ramassez, ramassez! Ramassez! Ramassez tout, portez! Tout ce qui est au fond là-bas, portez!
Allez-y, dépêchez-vous, portez. Ramassez-moi tout ça. Que fais-tu ici, Adako? Richard, mon frère m'a envoyé de... C'est le dernier endroit où toute personne liée à Richard devrait être. Ne remarques-tu pas la foule? Ils sont juste là pour tout détruire. Mais Richard, pourquoi ces gens? Ici le commerce de mon frère, pourquoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ne me dis pas que tu n'as pas entendu la dernière histoire d'Henri dans les réseaux sociaux. Richard, je suis déjà détruite à vous à cause des réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu dis? Oh, bonté divine. En fait, les nouvelles disent qu'Henri a confirmé que véritablement il est membre d'une société secrète qui manipule les destinées des gens, précisant en attirant les gens vers lui. Laisse-moi te dire davantage. Les nouvelles racontent que la fille qu'il vient de violer est un accomplissement rituel que chaque membre de leur secte se doit d'accomplir tous les mois. Tu vois cette foule en colère? Ils pensent tous que les problèmes qu'ils rencontrent dans la vie et dans le business sont liés à Henri. Richard, tu connais la vérité. Tu sais que mon frère ne peut pas faire une telle chose. Pourquoi les regardes-tu piller la boutique sans rien faire, Richard? Pourquoi? Adako, tu es en train de défendre ton client, merde. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Écoute, tu veux qu'il me tue? Tu aurais dû appeler la police, Richard. Richard, c'est la boutique de ton meilleur ami que tu regardes vandaliser sans rien faire. Oh! Tu me rappelles, je n'y ai même pas pensé. Tu as raison, laisse-moi appeler la police. Désolé. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, attends. Hein? J'ai là quelque chose qu'Henri voudrait que tu donnes à Ethel. S'il te plaît, c'est très important. Attends, s'il te plaît, laisse-moi appeler la police. Laisse-moi appeler la police, attends. Reste là, ne t'approche pas de moi, sinon ils vont me tuer. Permets-moi d'abord d'appeler la police. Richard, attends. Oh mon Dieu. N'importe quoi, où est cet officier? Où est-il? Grand frère, pourquoi me traiter ainsi? Pourquoi? Comme si j'étais un vulgaire criminel. Officier! Grand frère, baisse d'un ton. Pourquoi me demander de baisser d'un ton? Pourquoi ne m'as-tu pas dit ce qu'ils t'ont fait? Grand où est cet officier? Grand frère, calme-toi. Tu vas te taire. Comment? Tais-toi. Vous pensez que vous êtes dans votre chambre? Ça signifie quoi ça? C'est ça! Ma sœur vous a appelé avant d'arriver dans ces lieux. Elle vous a dit qu'il y avait du nouveau par rapport à mon affaire et que cela pourrait certainement m'innocenter. Mais vous ne lui avez même pas accordé un regard. Elle est venue ici juste pour que vous puissiez l'écouter, mais rien n'a été fait. Pourquoi? Ah. Oui. Ah. J'ai comme l'impression que tu m'interroges, c'est ça? Tu me passes un interrogatoire? Qu'est-ce que ça veut dire, mon ami? Pourquoi faites-vous ce genre de choses? C'est ce que je veux savoir. Vous n'êtes pas censé faire votre travail. Vas-tu te taire? Tu n'es pas en mesure de parler sachant que tu es impliqué dans cette affaire. Tu es dans un poste de police. Et n'oublie pas que tu es impliqué dans une affaire de viol. Celui d'un enfant, une mineure. Juste pour accomplir les rituels de ta secte. Tu t'attendais à ce que tout le monde vienne vers toi et te tombe de la main. Pour avoir bien fait ton travail, quand l'affaire allait s'ébruiter, tu t'attendais à ça. Ce n'est pas de cette manière qu'un officier de police comme vous devrait réagir face à cette situation. Vas-tu te taire? Ferme-la. Regarde-la. N'as-tu pas honte de ton frère? Un violeur. Sorcière. Ne parlez plus jamais de cette façon à ma sœur. Quelque chose ne va pas chez vous. Vous vous prenez pour qui? Bien. Demain, tu comparaîtras en justice.
Et crois-moi, ça ne sera pas facile. Donc, si j'étais toi, j'allais me concentrer là-dessus. Au lieu de gaspiller ton énergie à t'en prendre un homme qui est plus balèze que toi et qui, d'un simple claquement de doigts, pourrait te nuire juste parce qu'il a appelé ta sœur sorcière. Focalise-toi dessus. Dégage de ma vue. Désolé, je suis désolé. Désolé, calme-toi, s'il te plaît. Ça va aller, s'il te plaît. S'il te plaît, à ta coupe, Biko. Ne me touche pas! Ne t'avise plus de me parler! Sauf si tu es prêt à me dire ce que tu as exactement fait au moment où ce crime s'est produit cette nuit-là! Que faisais-tu? Et pourquoi refuses-tu de parler à quiconque de tout ça? Même à moi. Je refuse d'en parler à qui que ce soit. Parce que je veux protéger ceux que j'aime. Monsieur le protecteur, ta famille n'existe plus. Avant de venir ici ce matin, j'ai fait un tour chez toi. Et elle et tes enfants sont partis. Qu'est-ce que tu dis ? Elle a écrit une lettre dans laquelle elle dit qu'ils sont rentrés dans sa maison familiale. Et la lettre de divorce te sera donnée bientôt. Adaku, tu plaisantes, n'est-ce pas ? Tu plaisantes? Non. Dis-moi que oui. Attends. Voilà. Regarde par toi-même. Non, non, Ethel, tu ne peux pas me faire ça maintenant. Pourquoi maintenant? Si j'avais été à sa place, j'aurais fait la même chose. Tu lui as menti. Tu l'as trahi. Adaku. Oui, je l'ai menti. J'ai menti à tout le monde. Je reconnais. C'est un fait. J'ai caché la vérité à ma famille et à tous ceux que j'aime. Ça te fait certainement très mal, mais encore plus à ma femme. La femme que j'ai toujours aimée et que j'aime. Tu t'attends à ce que je la regarde dans les yeux en lui disant que... À ce moment précis, à cette heure précise à laquelle j'étais disponible, j'étais en train d'avoir des rapports. Oui. Tu t'attendais à ce que je lui dise que j'étais en train de coucher avec une prostituée dans un hôtel en cet instant précis. Comment? Grand frère. You're my sunshine. Too many dramas, too many actors, but all simply the same. Too many faces, you're writing a mystery, you don't know just who to trust. I made you cry, I let you down, but please don't abandon me. If our love would still remain, my baby, I promise I'll love you the same. If our love we see another day, promise I'll choose you over everything. Cause you are my strength, you are my everything, you are the light of my world. Cause you are my spirit, you are my soul. I love you the same, my love. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Too many lies, too many times, you don't know who to believe.
Speaking you up, making you cry, but please believe in me. I let you down, I made you cry, but please don't let me go. If our love was still remain. Minuit passé, et 8 appels manqués de ma femme. Que faisais-je pour ne pas décrocher les appels de ma femme? 8 appels manqués. Et qu'est-ce que je faisais hors de ma maison à cette heure de la nuit? Quoi? La petite amie d'Oscar, qu'est-ce qui m'arrive? Qui est-ce, cette fille? Comment a-t-elle fait pour m'entraîner dans ce merdier? Non, non. Ça doit certainement être un coup d'Oscar. Pas vrai, Henri? Tu as menti à ta femme. Qu'aurais-tu fait à sa place si cette affaire se complique? Comment convaincras-tu Edel que tu ne l'as pas fait sciemment? Alors que tu lui as menti à propos de là où tu étais plutôt. Seigneur, comment est-ce que Oscar plaindra le fait que je viens lui dire que je me suis arrêté à l'hôtel avec la fille qu'il m'a demandé de déposer et que j'ai couché avec elle et trompé ma femme. Et maintenant, je ne peux même pas expliquer comment tout ça a commencé. On ne me prendra pas seulement comme un idiot, mais aussi comme un homme complètement fou. Richard lui-même sera très déçu de moi, car il ne pourra plus certainement traiter cette affaire avec Oscar. Puis-je vraiment sacrifier un ami proche comme Richard? Bien sûr que non. Pour ça, il est si proche de moi et de ma famille. Si Ethel apprenait, mon mariage sera foutu à jamais. Que Dieu m'en garde. Peu importe ce que c'est, peu importe qui est cette fille, peu importe sa mission, je ne lui permettrai pas de foutre mon mariage. J'aime ma femme. Et pour son bien, personne ne doit savoir ce qui s'est passé. Dieu seul sait que si jamais je revois encore cette pétasse une fois de plus, c'est une femme morte. Je le jure. Non, Henri, pars d'ici. Prends la bonne route. Conduis le plus rapidement possible pour retrouver ta famille. Tu dois trouver l'histoire la plus persuasive pour couvrir ta merde de ce soir. Il serait mieux de raconter cette histoire à ta femme. Face to face. Et non, au téléphone. Hey. Oh, mon Dieu, aide-moi. Alors, ça va? S'il vous plaît, aidez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi. Quoi? Oh. Monsieur? Hein? Que se passe-t-il? Je ne sais pas, j'étais en train de conduire et elle est arrivée là. Et je... Mec, c'est un ritualiste! Non, non, oui, un ritualiste! Un ritualiste, mec! Reviens! Reviens ici! Attends, mec! Reviens, reviens! Hein? On dirait qu'elle est morte! Si tu frappes à ton portail, que diras-tu à ta femme? Sais-tu qui sont ces gars?
Et ce qu'ils ont fait de la voiture, de la petite fille, qui est-elle? Est-elle encore en vie? Ou déjà morte? Et même s'il était toujours en vie, qu'est-ce que ces garçons? Ils t'ont accusé d'être ritualiste. Quand je regarde tout ceci, les choses vont tourner au vinaigre pour moi ce soir. Et le meilleur moyen de commencer à nettoyer tout ça, c'est d'enlever ma voiture à cet endroit immédiatement. Jusqu'à ce que je le fasse, ce n'est pas le moment de dire ma chère. Oui. Je dois aller le chercher pour qu'il m'accompagne à cet endroit. Immédiatement. Peut-être à sa présence. Les gardes et toutes les autres personnes qui seront là. Quand nous arriverons, pourront écouter ma version au sujet de ce qui est arrivé à la fille. Oui, ils pourront certainement nous permettre de l'amener à l'hôpital. Si cela arrive, est-elle pourra certainement avoir pitié de moi. Oui, c'est même une occasion de découvrir s'il connaît quelque chose à propos de l'identité de cette fille. Et si je pourrais mettre la main sur cette diablesse et lui régler son compte avant que ma femme ne l'apprenne? Pourquoi je n'ai pas pensé à l'appeler un peu plus tôt? Allez, vas-y, Henri. Vas-y. Tu as un cas sous la main. Et tu n'as pas de minutes à perdre en réfléchissant inutilement. J'étais perturbé. Je n'arrivais pas à réfléchir. Tout était très confus dans ma tête. Au lieu de me rendre à la police, je suis allé chez Richard et son ami. Je pensais bien faire, sans savoir que les choses se retourneraient contre moi. C'est la vérité. C'est la pure vérité que je te dis, ma sœur. En ce moment, ce qui me fait le plus mal dans cette affaire, c'est que je ne peux même pas expliquer comment tout ceci a commencé. Tout ce que je peux dire, c'est que, en quelque temps, on s'est retrouvé à l'hôtel. Et là, je n'arrivais plus à me contrôler. La seule chose que je me souviens, c'est que j'ai été grogué. Grogué par une prostituée. Comment cela a pu m'arriver? Je n'arrive pas à croire que c'est vraiment moi qui ai fait ça. Comment pourrais-je encore regarder ma femme dans les yeux, mon adorable femme, et dire que j'ai fini par crailler Ethel? J'ai osé lui mentir. Je n'avais jamais menti à Ethel jusqu'ici. S'il te plaît, Adam, je t'ai dit la vérité. J'ai été un idiot, pardonne-moi. Pardonne-moi, ma sœur. Too many dramas, s'il te plaît. Too many actors, but all simply the same. S'il te plaît, pardonne-moi. Too many faces, you're right in the mystery. You know just who to trust. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Adaku? En quelle langue devrais-je te parler pour que tu me laisses tranquille? Je t'ai dit maintes fois que ma famille et moi, nous voulons rien avoir à faire avec ton frère Henri et toi. À présent, ne fais plus sonner mon téléphone. Tu es sourde ou quoi? Melvin, je sais que tu ne veux pas me voir. Je t'en supplie, écoute-moi. Tu le sais. Et pourquoi insistes-tu toujours? S'il te plaît, je suis désolée d'avoir dit à ta sœur que la dernière fois que nous étions à la maison, tu as essayé d'appuyer mes seins. Tu conviendras avec moi qu'après avoir utilisé plusieurs tactiques pour m'amener à coucher avec toi, y compris plusieurs cas d'attouchement sexuel, j'ai totalement gardé le secret pour moi pendant 3 longues années avant de le dire à Ethel. Je connais mon frère. S'il te plaît, si tu m'en veux toujours, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai besoin de toi aujourd'hui plus que jamais. S'il te plaît, Melvin, s'il te plaît. Adaku, ce que je t'ai fait est très mal. Et le fait que tu me ramènes à l'ordre était absolument une bonne chose. Et après que ma sœur m'ait confronté et parlé de cela, je suis venu m'excuser auprès de toi. Depuis lors, ai-je recommencé? Ma réaction actuelle n'a rien à voir avec cet incident. Ma sœur est-elle est psychologiquement affectée par ce qu'il s'est passé? Et ma famille a décidé de couper tout lien avec vous. Ne peux-tu pas le comprendre? En tant que femme, je comprends parfaitement.
Et en tant qu'étudiante en droit, je suis consciente de l'impact de l'injustice sur la victime. Melvin, dans cette affaire, ta sœur, mon frère, leurs enfants et moi-même sommes tous victimes d'injustice. Et c'est la raison pour laquelle je fais tout pour mettre fin à ce cauchemar. Je t'en supplie, Melvin. Ah, n'y pense même pas. N'essaye même pas de comparer ton frère à ma sœur et leurs enfants. Ton frère est un violeur, Melvin, un ritualiste. Melvin, Henri est une victime. Une victime? Et la fille qui l'a violée, et quoi? Il n'a violé personne. Je sais que tu aimerais savoir pourquoi il a menti à ses amis, la police, sa femme, toi et moi s'il ne l'a pas fait. Henri a menti pour protéger Edel. Il l'aime énormément, tu sais. Si Henri t'a envoyé ici pour me mentir, pour que tu me convainques de parler à mes propres parents, d'utiliser leur position sociale et économique pour faire sortir ces prisonniers, non. Tu as menti. Melvin, mon frère ne veut pas et ne voudra jamais que tes parents soient directement impliqués. Parce qu'il pense que peu importe la personne qui se cache derrière ce commentaire, elle pourrait s'en prendre à tes parents à cause de leur rang politique. Tout ce que mon frère veut, c'est que sa femme apprenne la vérité. Afin que, peu importe sa décision, qu'elle soit basée sur les faits. Et non sur de simples suppositions de quelques ignorants. S'il te plaît, Melvin. Adako, nous connaissons déjà cette version, tu m'entends? Ne nous implique plus dans cette affaire, d'accord? Je m'en vais et prends bien soin de toi. Melvin, Henri a secrètement enregistré une conversation entre lui et un officier au moment où il essayait de négocier avec la famille de la victime. Il a également enregistré la conversation sur son propre téléphone. La version sur les réseaux sociaux est une version éditée. Le docteur a juste voulu le faire passer pour le pire des monstres. Melvin, Henri a été piégé et la police est complice de ça. Et c'est un autre mensonge, ma chérie. Un suspect détenu par la police ne peut avoir accès à son téléphone. Comment Henri a-t-il fait pour enregistrer ces soi-disant conversations dont tu parles? Si tu veux des preuves, tu les auras. Je ne suis pas intéressé à ta peau. Je ne suis pas intéressé. Melvin, s'il te plaît, dis à Edel qu'Henri dit qu'il a menti à tout le monde parce que il ne voulait pas révéler que pendant cette heure-là, il était dans une chambre d'hôtel où il couchait avec une autre femme. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne me croirais pas, Edel. Je viens juste d'être avec Adaku et elle m'a dit... Et elle? Attends, tu étais avec Adaku? Oui, et concernant Henri, elle m'a dit... Melvin, es-tu malade? Qu'est-ce que je t'avais dit? Edel, s'il te plaît, calme-toi. Essaye au moins de m'écouter. Pourquoi devrais-je t'écouter? Es-tu normal? Pourquoi étais-tu avec Adaku? Pourquoi? Edel, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que se passe? Ce rat qui me sert de frais vient de coucher avec Adaku. Ah! Malgré tout ce qui est en train de se passer, il a choisi ce moment pour aller se retrouver dans le lit d'Adaku. Oh mon Dieu, Edel! Comment peux-tu avoir ferme ces pensées? Ferme ta bouche, idiot! Avoir quelle pensée? Essaye de nier qu'Adaku m'a rapporté qu'il y a de cela quelques mois, tu lui fais des avances sexuelles. Nie-le! Regarde, tu n'as même pas pensé à moi. Avec tout ce que mes enfants et moi traversons actuellement, tu as choisi ce moment pour... Je n'ai pas couché avec Adaku, Edel. Tu sais qu'Adaku est comme une sœur pour moi. Tais-toi! Pour l'amour de Dieu, je ne suis pas stupide. Et même si tu le penses, je ne suis pas un mauvais garçon. Mais comment peux-tu penser cela? Donc, tu les laisses t'utiliser. Tu leur permets de t'utiliser. Si tu peux descendre si bas, en allant jusqu'à coucher avec Adaku juste pour un message pour moi, comment être sûr que ce message n'est pas un autre vilain mensonge? Edel, s'il te plaît, je t'en supplie, peux-tu au moins écouter ce qu'elle m'a dit? Merde. Tais-toi. Melvin, j'ai dit tais-toi. Je suis très déçu de toi. Vous faites fausse route. Tu m'as dit que tu allais faire le plein de carburant dans ta voiture afin que tu puisses nous conduire à l'aéroport ce matin. Mais tu te ramènes ici après 2 heures de temps en disant des mensonges. Qu'il y avait une très longue queue à la station d'essence. Comment oses-tu me mentir? Papa, je ne t'ai pas menti. Maintenant, écoute-moi. Edel et ses enfants voyagent avec nous ce matin pour Abuja. Et ensuite, ils iront aux États-Unis pour y vivre. Et à partir de là, n'ose plus jamais mentionner le nom d'Adaku et celui de son frère Henri à aucun de nous dans cette maison. Plus jamais. Allez, maintenant, dégage de ma vue.
Dégage de ma vue tout de suite! Écoute, Ethel, ça va aller. Et ne t'occupe pas de ton frère. Crois-moi, je t'assure, ta mère te rejoindra immédiatement. Elle viendra avec ton frère aux États-Unis. Ça va aller. Je n'ai jamais été aussi mal à l'aise de toute ma vie. Ce qu'Ethel m'a fait ressentir aujourd'hui, juste devant mon propre père. Elle ne t'a pas cru? Elle n'a même pas voulu m'écouter. À l'instant où j'ai prononcé ton nom et celui d'oncle Henri, elle a piqué une colère. Ma sœur m'a accusé, juste devant mon père, de t'avoir laissé me corrompre avec du sexe, afin que j'avale tous les mensonges que tu m'as dit. Tu as quand même pu lui dire? Tu l'as fait? Le pire dans tout ça, c'est que mon père l'a malheureusement cru. Et je me suis fait réprimander comme un fils irresponsable. Mon père n'a pas manqué de m'avertir de ne plus mentionner ton nom et celui de Henri dans notre famille. Si je voudrais que la paix règne encore. J'ai fait de mon mieux. Merci. Too many dramas, too many actors, but all simply the same. Too many faces, shrouded in mystery, don't know just who to trust. I made you cry, I'll let you down. Melvin, je suis vraiment désolée de t'avoir causé ce désagrément. Si ça te fait cet effet, tu peux imaginer tout ce que j'ai pu ressentir quand j'ai entendu tout ce qu'Ethel et les autres ont dit à mon sujet. En fait, je suis moralement abattue. S'il te plaît, rends-moi un autre service. Prends ce téléphone. S'il te plaît, joue l'enregistrement audio qui s'y trouve. Afin qu'Ethel l'écoute. Et dis-toi que tu fais tout ceci au nom de cette fille injustement incomprise. Pour cette fille au cœur brisé. S'il te plaît, Melvin, prends-le. S'il te plaît. S'il te plaît, prends-le. S'il te plaît, Melvin. Si jamais tu as ressenti quelque chose pour moi, s'il te plaît. S'il te plaît, prends-le. S'il te plaît. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour ce nouveau jour. Nous disons merci pour nos vies. Merci pour cette nuit merveilleuse. Nous restons dans ta présence au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonjour, tantine. Bonjour, Hugo. Tantine, tu as reçu un message. Madame Uli, quelqu'un m'a envoyé vous prévenir qu'une personne de la famille de la fille riche s'apprête à venir vous tuer ce matin. Si d'ici 8 heures, ce n'est pas encore arrivé, allez me faire un transfert. Je voulais juste vous prévenir. Lève-toi, habille-toi, nous devons quitter cet endroit. Tantine, sommes-nous en danger? Si nous ne partons pas maintenant, nous serons en danger. Habille-toi, habille-toi, on n'a pas le temps. Habille-toi, vite. Attends, attends. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier, lève-toi pour me secourir. Bénis mon âme au Seigneur et combats à mes côtés. Donne-moi la force nécessaire. Donne-moi, Seigneur, d'être invisible aux yeux de mes ennemis. Brandis la lance et le javelot contre tous ceux qui me persécutent. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui veulent ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'eux-mêmes ont tendu. Qu'ils tombent au Seigneur et qu'ils périssent. Et mon âme aura la joie de l'Éternel, de l'allégresse dans son salut. Tout mon être dira Seigneur, qui peut comme toi délivrer le malheur d'un plus fort que lui? Le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille.
De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et pour moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur ma poitrine. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Mais quand je chancelle, ils se réjouissent, ils se réunissent et s'assemblent. Ils se rassemblent à mon insu pour m'outrager, et tu le sais, Seigneur. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent les dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège, Seigneur, protège mon âme contre les embûches et ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu de tous. Que ceux qui sont à tort et mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans aucune cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche et disent « Haha, nos yeux regardent. » Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu, mon roi, défends ma cause, défends-la. Juge-moi, éternel mon Dieu, selon ta justice, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, « Ah, voilà ce que nous voulions. » Qu'ils ne disent pas, « Nous l'avons englouti. » Qu'ils soient tous honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Et que sans cesse ils disent, « Exalté soit l'Éternel. » Qui veut la paix et la prospérité de son serviteur. Ô Seigneur, et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Seigneur, protège mon grand frère, selon ta parole que j'ai dans ses mains. Au nom de Jésus. Amen. Many times you don't know what to believe. It's fishing you up, making you cry. Qui peut bien m'appeler très tôt le matin avec un numéro masqué? Allô? Allô, bonjour. S'il vous plaît, qui est-ce? Un ami de la famille? Et vous m'appelez avec un numéro masqué? Vous ne voulez pas être identifié? Pourquoi? Ok, 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 je vous écoute. Hein? Vous dites? Oui, oui, oui. Oui, je peux le faire. Je peux le faire. Vous avez dit 8h30? Oui, je peux le faire. Merci infiniment. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Seigneur. Seigneur. Un homme t'a appelé dans l'anonymat ce matin. Disant qu'il a retrouvé la personne qui a violé la fille. Grâce aux enquêtes et à ses propres enquêtes. Oui. Et il a aussi dit qu'il était un ami de la famille. Il a peut-être pensé qu'il avait affaire à une fille stupide et cervelée, car je ne peux le croire. Mais pourquoi a-t-il préféré procéder de cette façon? Quand il aurait pu venir te donner ses informations personnellement? Ce sont les mêmes questions que je me suis posées encore et encore. Et je n'arrive toujours pas à trouver les bonnes réponses. Je suis venue pour avoir ton avis à propos. Devrais-je y aller, grand frère? S'il voulait vraiment nous aider, pourquoi rester dans son coin et m'avoir laissé souffrir ici? Grand frère, je ne sais pas. Peut-être que je devrais informer la police avant d'y aller. Non. Adaku, je ne fais pas confiance à la police en ce qui concerne cette affaire. Dois-je laisser tomber? Non, 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 non. Ça serait important que nous sachions qui c'est.
Je pense que c'est une occasion pour nous d'impliquer Ethel et sa famille cette fois-ci. Peut-être que cet informateur anonyme pourrait nous aider à sortir de cette mauvaise passe. S'il te plaît, appelle Mervyn. Je l'ai appelé ce matin, c'est pourquoi je suis là. Mais il m'a dit qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour Abuja. Il devrait déjà être à l'aéroport. Et une fois arrivé à Abuja, ils prendront directement l'avion. Alors tu vois que ça ne servira à rien finalement. Mervyn voyage avec eux, pourquoi? Grand frère, je ne sais pas. Probablement parce que son père et Ethel ne veulent plus du tout qu'il nous approche. Grand frère, je pense que j'ai fait une erreur en lui donnant ce téléphone. Peut-être qu'Ethel le lui a pris et l'a jeté. Que Dieu m'en garde. Quelle heure peux-tu avoir en ce moment? 9h moins 10 minutes. Adako, il faut que tu ailles voir l'homme qui t'a demandé de venir. Mais grand frère... Non. Je pense que nous pouvons prendre ce risque. Ça peut être notre dernière chance. S'il te plaît, vas-y. D'accord, grand frère. Mais sois très prudente. Sois prudente, ok? D'accord, grand frère. Crois-moi! Ferme ta bouche et reste tranquille! Avec tout le respect, ces criminels sont là pour scandaliser ma personne et... Et tout ce que vous trouvez à faire, c'est de lever la main sur elle! Je viens t'envoyer l'audio d'une conversation enregistrée entre moi et quelqu'un d'autre, via WhatsApp. Vous saurez tout lorsque vous l'écouteriez. Ne faites plus ce genre d'enregistrement encore. J'ai tout effacé. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo_dobbing, sur notre site web www.aforevo_dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. I say heaven fight for you. Smile.
beauty are in the same.